Voilà, on est parti. Oui, merci Le score est à Vincent. jour. Et on va ouvrir Allez, bien encore. sûr les micros sur les joueurs. Voilà, on est bon. Ça va, Parfait. Pascal? Oui, Kaz. Oui, merci Vincent pour tous tes exploits, la technique, on en a besoin. Tout est là, tout va bien, tout va bien. Voilà, ça commence déjà Oui. très fort. Donc, avec un très bel point de Brunel qui a été repris tout de suite par Christophe Baquin. Et c'est Philippe Duchesne qui tire le tireur de cette équipe. Bien. Alors Philippe, hein, qu'on connaît bien sûr, puisque c'est l'organisateur des stages au but, Les stages au hein, but. voilà, commercial chez La Boule au but, notre partenaire. Donc voilà, Mais qu'on met à l'honneur. il les organise pas pour rien. Il a des qualités de joueur. Il est Ouais, toujours tout dans à fait. les, il est toujours, il est toujours présent. Il est toujours là dans les derniers carrés. Bravo. C'est un joueur, ouais, c'est un bon joueur Ouais. qui connaît effectivement bien le jeu, et donc c'est pas une surprise hein, que de le voir encore en huitième de finale pour un national. C'est vite calé. Voilà, une deuxième boule de Allez, Christophe Baquin qui est restée un peu coincée. Oui, un petit peu court. J'ai Un fait petit la peu court. matière de suite. On veut pas subir hein, dans cette équipe chez les Noirs là. Donc on envoie tout de suite Dino Delis Bien, bien. au tir. Donc je pense qu'on va avoir Oh. Une belle une belle confrontation. confrontation. Ah Ça va oui. être assez similaire hein, Oui. dans les deux équipes où on a vraiment deux tireurs de chaque côté, On a les mêmes profils, les ouais. mêmes profils. Donc je pense que ça va vraiment se jouer beaucoup à l'attaque. Vous voyez, on réfléchit déjà à contre-attaquer tout de suite. Je l'ai forcé. Ah, si on pointe, on prend le palais, on est. Voilà, hein, vous entendez Frédéric Caz. C'est lui qui porte le micro pour son équipe. Allez, Et chez Cortés Delis Bakken, c'est Christophe Bakken qui porte le micro. Voilà, on prend le risque. Oui. Voilà, parce que sinon il va falloir tirer jusqu'au bout. Voilà, on essaie de voir si on peut faire l'erreur à l'adversaire. C'est un peu court. C'est le risque. On est dans une partie là du terrain où il y a un peu plus Oui. de gravette là. Et c'est. Oui, c'est le jeu de tirer, il faut tirer. Je sais bien, mais ils sont perdables, le point Philippe. Le dernier cas. Oui. Eh ben on va tirer maintenant. Alors, c'est Voilà, dommage, on maintenant. a Ouais. gaspillé, on peut dire, presque une boule. Et oui, parce que c'est peut-être celle qui manquera à la fin. Eh ouais. Donc on décide de retirer. Il y a quand même un peu d'épaisseur avec peut-être il peut rattraper. On faisait un petit palet. C'est Voilà. ça. Voilà, surtout qu'il fallait Allez, pas gêner, chaud. ils ont une belle force de frappe. Alors très bien l'organisation, alors qu'il fait une nuit vraiment noire, sans lune, l'éclairage nous permet de suivre. Ah, Cette vraiment une partie. très très belle luminosité ce soir ici sur Ouais. la place. Et pas de pleine lune, hein. Le ciel est vraiment. Non, il fait très très bon. En plus, il a Ouais. fait très chaud dans la journée. Là, c'est un petit peu retombé. On est bien pour terminer cette Oh. soirée. On le voit, les joueurs sont encore en short et en manche courte. C'est frappé. Allez, Simon, encore, tu peux. Ah, Voilà. le petit déplacement de bouchon, est-ce que ça change quelque chose Mais il faut aller par rapport à la vérifier. boule de derrière?
Pas certainement. J'ai l'impression que c'est celle de. On va tirer quand même. Hein. De la première frappe de Philippe Duchesne. Ouais. Allez, dernière boule pour les bleus. Ah, c'est poussé. Bravo Gino. Voilà. Voilà, on se retrouve dans la configuration où éventuellement Brunel aurait pu tirer sa boule lui. C'est ça. Ah, ils se retrouvaient un tir à 3. Bon, ils ont pris l'option. Maintenant, à Gino de venir arracher la marque. Voilà, c'est fait. Et c'est l'ouverture du score pour l'équipe Cortez de Lisbaquin. Ils ont leur compteur. Voilà, un petit point. Après, on a pointé, mais on peut tirer. On commence. Voilà. Vous l'entendez. On va leur montrer qu'on est là. Vous avez entendu, on montre qu'on est là. Et c'est important pour les joueurs. Allez, début de cette deuxième main dans ce huitième de finale. On démarre rampe d'observation pour cette première main. Ils n'ont pas encore joué bien sûr sur ce terrain puisqu'on ne vous les avait pas proposé encore sur la web. Et donc il faut se familiariser un petit peu à ce terrain. Voilà, vous voyez cette boule de Christophe Baquin, un petit peu écartée sur la droite. Là on est sur la partie où il y a beaucoup moins de gravier. Une partie un peu plus lisse, un peu plus piégeante. Voilà, beaucoup de concentration encore. Hein. C'est parfait. Bravo. Sébastien Moulin. Allez Gino encore. Allez, on voit que c'est quand même Gino qui prend le tir devant Simon Cortez hein, oui. Dans cette équipe. Bon, ça. Ouais, en fait, Gino est un tireur pur. Ouais. Simon peut-être plus au niveau d'appoint, il a peut-être plus d'appoint que Gino, donc c'est pour ça qu'ils sont dans cette configuration. Ensuite, ils sont capables de tourner à tout moment. Ah oui, tout à fait. Ah oui, c'est vrai que j'avais une petite dédicace à faire, je l'avais prévu. Petite dédicace à la reine de la Coinche qui s'appelle Aimée. Voilà, elle se reconnaîtra. Aimée, elle fête son anniversaire demain. Bon anniversaire Aimée pour tes 84 ans. Ouais, on va 84 ans. Et merci pour m'avoir laissé gagner toutes les parties cette semaine. Alors, je dirais rien, mais un anniversaire ne se souhaite jamais en avance. C'est pas grave, je le re-souhaiterai demain, Pascal. Ça va, alors c'est réparé, il ouais. N'y a rien à dire. Et joyeux anniversaire, Aimé. Voilà, un très bel appoint encore de Sébastien Brunel, et il envoie Dino tout de suite. Hein. Voilà. Viens, Dino, viens. Voilà, c'est tapé encore. On le voit sur le ralenti. Ouais. Ben, j'ai vu où tu avais envoyé. Je pense qu'ils vont tirer jusqu'au bout. L'équipe de Simon Cortez. Ouais, c'est bien parti pour.
Simone. Voilà, pour l'instant, on fait jouer l'adversaire. Pas de loupé, ouais. Voilà, c'est la même configuration que la première main, hein. On va se retrouver toujours avec une boule de différence. Ouais, c'est repris tout de suite encore. Ça suffit, ouais. Là, elle est pas bien tirée. Hein. Non, elle n'est pas sortie de non, la main. Elle est un peu crochetée. Essayer de le gagner. Ah oui, il va falloir le gagner. Il va falloir essayer de gagner. Philippe Duchamp aura ses deux boules ensuite c'est pour ça. Terminer. Et après, il faut espérer une erreur de l'adversaire. Il a failli réussir un coup. Oui, il a failli toucher un peu le but et s'en faire deux. Hein. Je pense qu'il y en a. Alors on ça vérifie. Ça n'a pas changé. Ouais, on va quand même regarder. Ah, c'est. Je peux rien de le faire. Hein. On va le mesurer, mais. T'en as un. Ah, mais c'est bon. C'est bon. Allez, on mesure donc pour savoir un minimum et pour voir si le deuxième est rentré suite à ce petit déplacement de bouchon. Donc il n'y en a qu'un. Il va pouvoir tirer Philippe Duchamp pour arracher la marque. Oui, déjà dans un premier temps. Il y a beaucoup. Allez, Pipi. Allez, pour permettre aux Bleus d'ouvrir le score dans cette partie. Et c'est fait. Très bien tiré. Il y a peut-être un tir à deux maintenant. Il y a peut-être un tir à deux, oui. Il va falloir vérifier. Le ralenti d'abord. Non, ils sont en train de vérifier la boule, mais c'est celle de Gino Delis. C'était le recul de Gino Delis. Voilà, il tire à deux. Allez, boule pour passer devant, hein, pour inscrire deux points. Et ça va. Non, je ne pense pas. Je pense que ça ne va pas suffire. Ça ne suffira pas, ça sera un seul point. Eh bien oui, un partout. Et ben on démarre tranquillement ce huitième de finale de chaque côté. On avait une possibilité de scorer un peu plus. Ça n'a pas réussi à Philippe Duchamp. Alors tiens, avant le début de cette troisième main, on va quand même vous annoncer une bonne nouvelle, Pascal, hein, puisqu'on a aujourd'hui la confirmation que la convention entre nous, entre PPF et la fédération, venait d'être renouvelée pour les trois prochaines années. Oui, on remercie, bien sûr, on remercie la fédération de nous faire confiance. On va essayer d'en être digne, évidemment, de leur confiance et d'amener ce qu'on a toujours essayé d'amener à la pétanque, c'est-à-dire une visibilité et la faire évoluer. Voilà, ça a toujours été l'objectif masculin, féminin, voilà, de faire évoluer la pétanque. Voilà, c'est notre objectif. Et que vous soyez les plus nombreux à aimer ce sport, à le regarder, à l'apprécier. Voilà, c'est notre souhait. Et on est pas mal content, voilà. Ouais, on est très fiers. Hein, c'est-à-dire il y aura une grande finale 2024, 2025, 2026.
2027. Donc, vous aurez encore plein de belles parties à vivre en notre compagnie. Ah oui, on a encore de belles journées à vous faire vivre. De belles soirées à manger des sandwichs. Oui, on va en avoir plein, mais c'est pas grave. C'est accessoire tout ça. C'est oui. Accessoire, oui. Le plus important, c'est de vous proposer ce beau spectacle. N'oubliez pas que PPF, c'est passion avant tout. Eh oui, exactement. Et on en est tous des passionnés, tout comme vous, on le sait. On vous lit. Et on essaye de transmettre notre passion à vous qui n'êtes pas sur place et qui vivez à distance ces belles compétitions. Alors, on n'a pas pu démarrer encore puisqu'on attend. Vous voyez le bouchon qui est près de la ligne et donc on attend. Les deux bouchons sont assez proches sur le jeu d'à côté. Et voilà ce qu'on n'aime pas. Et oui, mais c'est non. Vrai que c'est compliqué. Ça, pas du tout, mais bon. Ah, il a un petit peu roulé, Sébastien Brunel. Alors, est-ce qu'elle a repris cette boule de Christophe Baquin ? Oui. Oui, elle a repris tout de suite. C'est épais, là ? Ouais. Voilà, vous venez d'entendre. Hein. Oui, c'est la partie du terrain qui est vraiment bien épaisse. On l'a dit, il y a des endroits un petit peu plus dotés en gravette que d'autres. Et là, c'est vrai que c'est une. Ouais, c'est une zone notamment où ça freine un peu. Hein. C'est notamment en bord de ligne. C'est les endroits où on joue très très peu. Ouais. Voilà, un peu chanceux là sur son appoint, puisqu'il est venu croiser complètement. Je vous la mène aussi parce qu'elle la mène devant, donc qu'est-ce que t'en penses Simon? Comme tu veux, qu'est-ce que tu en penses? Allez mon Gino, t'as envie d'y aller, vas-y. Ouais, je pense que c'est la bonne option d'aller tirer tout de suite. Ça. Ouais, surtout que c'est un coin qui est bien sableux, donc si Gino venait à faire un petit palais, un petit carreau, je pense que ça viendrait bloquer la mène. Il devrait pas trop bouger effectivement. Voilà. Et voilà, il a cardé, on vient de vous le dire. Regardez le ralenti. Il n'est pas parti très très loin sa boule et maintenant ils ont bien quadrillé le terrain. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça, maintenant ils ont deux points au sol. Alors pour tous ceux qui nous demandent, on va vous rappeler le programme. Donc là c'est la dernière partie pour ce soir pour nous, 8e de finale. Demain on se retrouvera à partir de 10h pour la diffusion d'un quart de finale de l'international bien sûr. En parallèle il y aura les quarts de finale du féminin et les demi-finales du féminin également le matin. Et à partir de l'après-midi, vous pourrez rester sur le Facebook de PPF si vous voulez, ou alors aller sur France 3 Corse, puisque c'est France 3 Corse via Stel qui aura les droits de retransmission. Donc c'est production France 3, mais les images seront également sur le Facebook de PPF. Donc comme vous voulez, vous pouvez être au même endroit qu'actuellement, vous aurez également les images à partir donc de... Alors c'est 14h30 ou 15h, ça n'a pas été encore bien défini. Pour les demi-finales et ensuite les deux finales dans la foulée. Donc marathon pétanque à partir de 14h30, 15h sur France 3 Corse si vous le souhaitez. Voilà, et répondre. Nous sommes ravis de collaborer avec évidemment FR3 et Corse. Ravis de
de partager leurs images et ravis que la pétanque soit diffusée sur une chaîne... Et en direct surtout. En direct sur une chaîne gratuite. C'est ça. On est vraiment ravis. Et je peux vous dire qu'on a vu les équipes hein, qui sont venues installer. Vous apercevez d'ailleurs la grue, peut-être sur certaines images, tout est pratiquement installé. Et il y a de très gros moyens qui ont été mis en œuvre. Donc vous aurez de très belles images demain après-midi. Aussi belles que les nôtres, Pascal. Je ne sais pas si elles seront aussi belles que les nôtres, mais nous l'espérons. Voilà, ce sera super. Avec toute humilité, bien sûr. Nous sommes ravis de partager. Vraiment, au contraire, pour la pétanque, c'est un plus et c'est top. On est super ravis. C'est encore très bien tiré. Bien tiré. Ouais, l'a arraché, oui. Bien, Gino, bien. Voilà, Philippe Duchesne, lui, avait décidé aussi de casser du point. Voilà, vous voyez le déplacement des joueurs qui attendent que le terrain d'à côté. La réussite. Là, c'est le petit bonus. Ah, là, c'est vraiment du bonus, la réussite, là, parce qu'il est, il a fait compter sa boule de derrière. Voilà, du coup, on était en retard de boule, et ben ça va rééquilibrer. Ah, surtout qu'elle est perdue, il a perdu le point. Ça. Allez, vas-y. Allez, Simon, fais la place. On a des dents, hein, de toute façon. Et j'aimerais dédicacer cette partie à Dominique Valissant. Un fervent de la pétanque à Laon. Oh là 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 là. Ah pardon Pascal, mais là il y a eu un déplacement. J'ai vu déplacement du but. Déplacement ouais. De bouchon, il était pas droit mais du tout. Alors eux qui se plaignaient tout à l'heure de la malchance, je peux vous dire que là maintenant, c'est pour ça qu'il faut jamais se plaindre dans la pétanque quand il vous arrive des coups malheureux puisque. Ouais, on dit que ça s'annule un peu. Hein, ah ça s'annule tout le temps, c'est un coup pour un coup pour l'autre. Alors donc, on va peut-être montrer le but Pascal sur l'autre image puisqu'on ne le voit pas. Il est là tout au fond, il est passé sur le jeu d'à côté. En général, ça s'équilibre surtout sur 2-3 parties, mais là ça s'est égrivé tout de suite, hein, juste sur, sur la boule d'après. Voilà, donc Dominique, je te réponds, tout est en place, je te souhaite un magnifique trophée des villes, et puis nous, de notre côté, PPF, on va avancer comme il se doit. Voilà. Bonne soirée à toi et une très belle reprise. Et belle partie à suivre. Oui, on est là, n'importe où. Seul bon dans les tapes. Allez, fille. Allez, c'est une boule de marque pour Philippe Duchin. Voilà, ça bouge en face, tranquillement, voilà. On l'a dit, hein, comme tu l'avais dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément connaisseurs de la pétanque, qui sont un peu dans les tribunes, puisqu'on est en plein cœur de ville ici à Ajaccio, donc on a encore des gens qui sont en vacances par là, et qui passent voir un petit peu ce qui se passe. C'est tout juste manqué, juste sauté derrière, hein. On le voit l'impact. Ouais. Je pense qu'ils ont... ils voient, mais voilà, on va jouer la dernière boule pour Simon Cortés. Finalement, voilà. Le coup de chance a tourné, effectivement, il y a beaucoup d'estivants. On a beaucoup ici des croisiéristes aussi qui viennent ici pour la journée. Court non. Ah, bien, c'est deux points supplémentaires. Pour Cortés, Delice et Bacquin. Allez, plus deux. Pour mener donc 3-1 dans ce huitième de finale. Pour l'instant, qui est très serré. Hein. Oui, très très serré. Les équipes, comme on l'a dit tout à l'heure, assez similaires et qui ont un peu le même profil de jeu. Oui, c'est exactement ça. Hein. On a vraiment deux vrais pointeurs de chaque côté.
Et voilà, et deux tireurs. Allez, vous l'avez vu, on est à... Allez, on est à 9 mètres, hein, à 9 je crois. Mètres, voilà, il était 9. Arrivé aux 9 mètres. Allez, ça continue toi. Allez. Elle a fait les deux tours de trop, cette boule. Ouais. Voilà, c'est la difficulté sur ce terrain. D'un côté, il y a beaucoup plus de gravier, donc ça freine, donc on les force un peu. Et de l'autre côté, il faut un peu moins les forcer. Allez, vous voyez, vous êtes sur ce plan, vous êtes un petit peu dans la peau du joueur, hein, comme si vous étiez dans le rond. Alors, c'est bien joué, c'est gagné. Et ça vous prie tout de suite. La mienne, non? T'es tiré, toi? Moi, je m'en prie, c'est ça. Alors, on va pas tirer sur cette boule, on décide de pointer apparemment. Étonnant, peut-être un peu, non? Non, c'est-à-dire que ce côté, il y a beaucoup moins de gravier, donc il y a moins de chances de faire de carreaux. Et on défend un point qui est derrière à 60-70, donc c'est... Mais il est difficile à gagner. Oui, il est difficile à gagner, mais c'est pas plaisant pour un tireur de défendre un point comme ça, en sachant qu'il peut se reprendre tout de suite. Et voilà, malheureusement, il va manquer un petit tour, je crois. Voilà. Donc, je pense qu'ils vont y aller. Allez, Dino. Allez, celui-là. Voilà, on y va. Ah bon, vieux. Et oui. Oui, il vaut mieux défendre un point qui est devant qu'un point qui est derrière. C'est vrai. Allez, par contre, il faut frapper maintenant parce que sinon, ça fera un bon retard de boule. Ah, il est un peu haut. Vous voyez bien l'impact. Là, voilà, superbe image. Bien l'impact de la boule. Il avait bien levé. Il a tenté, Dino, de faire carreau sur cette boule. Je pense qu'il y a pensé. Quoi. Mais putain. Mais fais-toi monter le sang. T'es le moment qu'on tourne. Putain, on a tué mon cou là. Hein. Ouais, si on essaie de gagner. J'avais gagné ça derrière le bouchon. Oh. Aïe, j'ai peur que ce soit pas gagné encore. On dirait que ça va. Ah, peut-être. On dirait. À mon sens, ça gagne. Non ? Ils sont pas d'accord. Elle est grosse, la tienne. Ils sont pas d'accord, donc je crois que celui qui va être d'accord, c'est le maître. C'est le juge. Ah ouais ? Moi, je préfère la tienne. On a pas gagné. 51-5 à l'entrée. Il n'y a pas gros alors apparemment. Ah, si on mesure tout. Il y a 2000. Hein. 2000. Ah, alors. Donc elle a pas gagné. Hein. 2000. Putain, je préfère la même de là. Et donc, c'est encore au maillot noir de jouer. Hein. Ouais, je pense qu'ils vont jouer avec leur boule, ils vont pas gêner. Et puis là, c'est la cinquième boule qui arrive déjà. Ouais, c'est sûr, on se démunit au fur et à mesure.
Là, il faut absolument rentrer à deux là pour Simon. C'est ce qu'il va tenter. Et il a peut-être réussi. Il en a fait qu'une, à mon avis, non. Que la sienne s'est bien écartée sur le côté. Oui, la situation. Non, puisqu'il a rien à deux. Et non, ouais. Bon, c'est le moindre mal. Hein. C'est le moindre mal dans cette main. Il manque rien. Tu veux pas tirer dans les deux, Philippe ? Mais bien sûr, oui. Je pense que. Oui. Je pense que c'est la bonne option. Ah, oui. Après, il faut pas y penser. Hein ? La peur du bouchon, ouais, peut-être, qui se déplacerait éventuellement. Mais je pense qu'il faut y aller là tout de suite. Maintenant, on a un gros avantage de boules. Oui. Il faut absolument faire de la place. Oui, les deux boules du milieu là, les deux boules collées. Sur cette boule un peu plus sombre. Oh, bah c'est pas mal. Et il n'y en a eu qu'une, mais et il a sauté par-dessus. Regardez le ralenti. Oui, ça va lui permettre de prendre le point. Du coup, ça lui a permis de faire un carreau. Ça lui permet de reprendre le point, de faire jouer la dernière. Et après, on analysera un peu la situation, on prendra les décisions. Ouais, mène plutôt à l'avantage des bleus là, cette quatrième main. Allez, normalement. La boule à Simon, là. Alors est-ce qu'on va encore jouer avec, avec la boule de devant pour essayer de. Je pense que pour Dino, il faut venir jouer dans les boules, hein. Il faut surtout pas passer à côté. Et il faut soit venir à deux, soit venir essayer de contrarier l'adversaire en venant faire des devants de boule. Ah voilà, voilà, ah, il est passé à côté, mais elle est bien jouée. Oui, mais là je pense qu'on va, on va tirer déjà. On va tirer déjà celle-là. Hein. Tout de suite allez, sur cette boule. Ouais, et on verra après. Voilà. On va faire un peu plus de place. On verra et après. Si j'essaierai de faire l'effort de taper l'autre. Ah, c'est ben voilà, frappe, bien là. Tiré, belle main de Philippe Duchesne encore. Duchesne, ouais. Très efficace sur cette main. Ouais, je pense qu'ils ont, ils ont une possibilité là, oui, de faire une très belle main. Bien sûr, il faut tout réussir. Faut pas avoir de déplacement de bouchon ou de contre. Mais je pense que s'il arrivait à dégager cette boule noire là qui est devant. Oula. Et non, on tire la boule de côté. Oh là, malheureusement ils ont un contre, un mauvais contre. Oui, sur le recul, boule. On le voit sur le recul. Hein. Ouais, regardez le ralenti, il est allé contrer voilà, sur la boule de Sébastien Brunel. Mais alors ça change peut-être pas grand chose, peut-être qu'en tirant encore la boule noire de devant, ça fait rentrer les. Philippe. Mais au moins des points, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait peut-être tirer deux, ouais. Ben oui, mais. Ouais, il faut tirer deux. Oui, mais de toute façon, il faut tirer deux fois. Et oui, qui fait rentrer deux. Donc il y a une boule dans chaque main. Après, je pense qu'il faut tirer d'abord cette. Voilà, la boule qui traverse. Si tu tapes celle-là, que ça se passe mal après, t'en prends qu'un. Voilà, c'est bon, ouais. Après, c'est très bien analysé. Tirez là-bas, Philippe. Allez. Eh ben, c'est Sébastien Brunel qui va commencer par tirer. Tout à fait. Allez, parce que si Sébastien venait à taper à cadrer, oui, on tirerait pour une grosse main. Et là, on prendrait le risque. Maintenant, alors, ouais, on tire la boule qui est derrière. Hein, qui est derrière, donc, allez, la deuxième dans cet ordre pour vous. Voilà. Ah, donc du coup, ben, là, ça a réglé le problème. Oui. Du coup, on tire plus. Et on va essayer de jouer et de rentrer avec la boule pour en faire un de plus. En tout cas, on est parti sur une rencontre disputée. Oui, oui. Hein, ça va être très serré. 35 minutes de jeu. Il va y avoir 3-2 ou 3-3 peut-être. Un grand plaisir, ça joue Vincent. Ah mais oui, c'est un constat. Mais c'est un beau constat, ça joue. Voilà. Et là vous voyez sur l'image, l'équipe d'à côté, on ne sait pas qui est qui. Ils ont tous le même maillot. Ouais, c'est la même team, hein, team MP Prono et ils sont venus. Ah, il a réussi le coup. Non, ça fait que deux. Ça fait que deux. Apparemment, il compte pas le troisième. Il a juste un peu sur le côté, il a écarté. Et bien voilà, 3 partout. On se retrouve à 3 partout. Et oui, c'est parfait, c'est parfait. Il faut
quand je fais un recul, je fais un recul dans la mienne. Voilà, ils auraient espéré sûrement plus. C'est gros ça. Bien, du coup, ouais, 3-3. Allez, Seb. Allez, début de la cinquième main de ce huitième de finale. Accroché, serré. Allez, mon Seb. Allez, arrive, vas-y. Allez. On a une boule un peu longue là, sur le premier appoint de Sébastien Brunel qui a été repris tout de suite par Christophe Baquin. Allez mon Fifi. L'envahisseur. Allez la pousser, c'est bien. Allez Fifi. Voilà, là, on décide d'aller tirer tout de suite. Là c'est coiffé au fil hein, aussi, et juste derrière. Il y a des ombres de partout de ce côté là, comme on ne peut pas se mettre là-bas avec la poule. Là. Ouais, c'est très bien. Ouais. Allez Seb. Alors, on en profite parce que je lis vos commentaires. Et ce serait bien qu'une fois pour toutes, vous lisiez le règlement pour les tenues dans les nationaux. Parce qu'on est encore à nous demander si le short et le pantalon jean sont autorisés. On va vous le redire. Oui, le short et le pantalon en jean sont autorisés pour les nationaux, supranationaux, internationaux. Pour les événementiels. En fait, c'est simple. La règle, elle est simple. Eh oui. Tous les qualificatifs et aux championnats de France et les championnats de France, c'est le seul entre guillemets compétition où on est obligé de jouer, donc en short sportif ou exactement. Voilà. Et voilà, donc oui, les shorts en jean sont autorisés, que vous trouviez ça bien ou pas, c'est un autre débat et dans lequel on ne va pas se lancer. Mais en tout cas, c'est autorisé. Il ne faut pas qu'il soit troué, il ne faut pas qu'il soit déchiré. Voilà, déchiré. Mais en tout cas, c'est autorisé. Donc, par exemple, puisqu'effectivement, vous voyez les jaunes, ben, y en a un. Christophe Baquin en porte un. Il a le droit. En ce qui concerne la tenue des joueurs de l'équipe de Philippe Duchin, effectivement aussi, il y a des teintes de couleurs un petit peu différentes. Voilà, un bleu un peu plus foncé pour deux. Et c'est Frédéric Casse qui en a un peu plus clair. Voilà, c'est pas à nous de faire respecter quoi que ce soit. Les arbitres sont là. Vous le voyez là, il est là. Bon, après c'est acceptable, c'est, quand, voilà, dans le c'est bleu, quand même c'est les pas, mêmes maillots. Hein. Ce sont exactement les mêmes. Oui. Si vous me permettez, messieurs. Il y en a un qui a été un peu délavé. Je pense qu'il a dû le laver entre midi et deux. Il a perdu un peu de couleur. Ok, là on parle oui, peut-être le sweat ou le tricot un petit peu délavé. Effectivement, il est plus clair, on le voit bien sur cette image. Mais
par rapport aux règles, le short en jean ou pas, il me semblerait que la règle devrait être partout la même. Pourquoi pourrait-on accepter les jeans sans des concours nationaux et pas à d'autres? Ou il est accepté pour moi ou il est refusé? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que trop de règles tuent les règles. Je crois qu'il faut uniformiser et pas faire de différence. Que ce soit un régional, un national, un international. Ok, il y a une tenue à respecter, il faudrait qu'on la respecte partout. Pourquoi accepter d'un côté les jeans et pas de l'autre? Je trouve ça ridicule, je suis désolé, mais voilà. Je suis d'accord avec toi, Pascal. On a dit qu'on n'ouvrait pas le débat, mais on est entièrement d'accord avec toi, Pascal. Tout se fait petit à petit, tout se réharmonise petit à petit. Voilà. Il faut juste se rappeler que dans les nationaux, les internationaux, les événementiels, un peu tout ce qu'on a, les joueurs ne sont pas obligés de jouer entre guillemets homogène club. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que du coup, on se retrouve avec uniquement la tenue du haut identique. Parce que, bien sûr, ils n'ont pas tous, ils n'ont pas tous le bas identique parce qu'ils ne sont pas dans le même club. Oui, et je tiens à rappeler, il y a 11 ans, à Draguignan, nous étions les premiers à imposer le haut, il y a 12 ans, c'est pas hier, la tenue identique et voilà. Et donc voilà, pourquoi se compliquer l'existence? On joue à la pétanque, on met des shorts tous les mêmes, ou des pantalons tous les mêmes, ou le bermuda ou le jean est accepté ou pas. Mais je vois pas pourquoi faire de différence. Ça complique tout pour tout le monde. Et exactement. Même pour, non, ça, même pour nos, les gens qui nous suivent. Pourquoi jean, pas jean? Voilà. C'est le fond de ma pensée, mais je vous laisse juger. C'est pas moi qui décide. Et c'est pas nous non plus, mais on est c'est comme ça. Mais pour répondre à ceux qui nous posent la question, voilà, c'est autorisé. Donc, c'est un règlement fédéral qui est consultable sur la page FFPJP. Oui, tout à fait. Tout à fait. Allez, on revient dans cette partie et ça pourrait être une belle main pour les maillots noirs. Ils sont un petit peu passés à travers, les bleus. Oui, ils se sont mal embarqués. Là. Et il reste 5 boules hein, pour les maillots noirs. Pour rajouter, Christophe Baquin qui est allé rentrer dans la boule. Alors qu'il avait beaucoup de place. C'est ce que lui dit. Sinon, comme ça, quand même. Énormément de place sur la droite et il est allé prendre le risque de jouer à gauche, et c'est ce qu'il a fait là, où maintenant ça va. Allez, ben Gino, tu reviens. Ouais, c'est de Simon. Tire 2. Ben même s'il éclate tout, c'est bien. Ah non, à ma foi. De toute façon, il aurait fallu tirer, je sais pas si on les aurait toutes mis, hein. Je suis pas obligé. Ah, c'est vrai qu'elle est un peu plus compliquée maintenant, puisqu'elle est collée, hein, mais elle est collée. Elle fait 2, même s'il enlève tout, ils ont encore le point derrière. Bon. Ça vaut peut-être quand même le coup. Oui, quand on a beaucoup de boules d'avance, c'est le jeu d'aller tirer tout de suite. Parce que là, on peut... Effectivement, on peut... À la main, je suis pas là-bas, Simon. On peut s'entêter à essayer de décoller la boule et on n'y arrivera jamais, donc il vaut mieux tirer tout de suite. Là, vieux. Allez, fais de la place. Allez, donc on tire la boule... La boule de gauche hein, pour Gino. Et bon, s'il venait à tout éclater, la boule de Christophe Baquin tiendrait encore en derrière. Oh là là, il tire leur boule seule. Incroyable. C'est ce que disait Simon. Incroyable. C'est ce que disait Simon. En tirant bien, il peut casser la sienne. Il a trié seule cette boule. Ouais, c'était le risque. Hein. Ça change pas grand chose non plus, puisqu'il va pouvoir retirer maintenant. Mais bon, ils ont perdu un point. Voilà, ils avaient beaucoup de boules. Ils auraient pu scorer. 5 voire 6 points et ils vont se retrouver maintenant à essayer d'en faire 3. Voilà. Ah mais Simon arrête de. Oh, on dirait que. Eh, on peut en perdre les poules là, tu t'en perds pas toi? C'est bon. Eh ben j'ai joué là-bas. Eh ben joue les tiennes maintenant. Eh ben ouais. Et alors? J'ai fait exprès de la mettre là-bas. Quand même, tu. Parce que je le voyais de là-bas, c'est tout. Allez, fais-nous marquer là maintenant. Attends, si tu veux, je te dis. Je sais pas. Allez vieux. Fais-nous marquer, Simon. Ah ouais, Simon, t'énerve pas là, allez.
Et un peu agacé. Bon, il y a un peu de raison hein, d'être agacé, ouais, mais c'est vrai que c'est fait. Donc maintenant, il faut. Ah, maintenant que c'est fait, il faut vite passer à autre chose et il faut se reconcentrer. Allez, il faut tirer cette boule. Et il faut surtout essayer d'arracher la marque. Voilà, il a fait le travail. Il y en a certainement. Non, je ne suis pas sûr qu'il y en ait deux. Eh oui, allez, Jean-Luc Reichmann, il est toujours là. Spectateur attentif, regardez. Alors, vous le voyez, Jean-Luc, ce soir, c'est les 12 coups de minuit qu'il va nous faire. Hein. Les 12 coups, non, c'est nous qui allons taper les 12, mais il est là, il regarde, regardez. Ah ben, il est très attentif, il manque hyper attentif, hein. Ouais, super. Il regarde toutes les parties, vraiment, c'est un vrai aficionado. Non, il aime ça, et comme nous, c'est super. C'est flou, un peu. On va le rendre plus net. Voilà, vous le voyez. Maintenant, enfin, on va reprendre. Vous le voyez tous les jours à la télé. C'est un super garçon. Voilà, donc Simon Cortés, qui lui, pendant ce temps, lui, il a fait le job. Oui, il a bien rattrapé son équipe. Et c'était même de 2 points, même si ça aurait pu être beaucoup mieux. Hein. Ah oui, ça aurait pu vraiment être la main décisive là, dans cette partie. Et je pense que c'est pour ça que Simon est un peu agacé, parce qu'il sait que c'est le genre de main qui n'arriveront pas. Elles vont pas se répéter à chaque fois, donc voilà, quand il y a une opportunité, il faut surtout pas la gâcher, il le sait ça, Simon. Allez, il faut oublier cette main là pour Christophe Baquin qui a fait cette petite erreur de rentrer dans la boule. Voilà, c'est bien pour Christophe Baquin. Tout de suite de reprendre et de faire un très beau point. C'est vrai qu'il a commis une petite erreur, mais en fait c'était rattrapable. Faut mais ce qui a agacé aussi Simon, c'est qu'il lui avait montré l'autre côté jouer et qu'il a décidé de continuer à vouloir jouer. Ah, vous voyez l'arbitre là, c'est Ludovic Leonetti qui officie ici. Hein. Leonetti. Bien Philippe, bien. Bien, tu fais de la place. Voilà, c'est tapé hein, pour Philippe Duchesne. Il manque au double. Et voilà, il avait une très belle moyenne là, Philippe. Très bien pointé. Yes, bravo. Alors, on va faire tirer Dino. Dino qui reste sur 2 échecs. Voilà, il était à 100% là, depuis tout à l'heure. Oui. Il est resté sur 2 échecs. Il faut surtout qu'il oublie cette main. Oui, parce qu'en plus ils ont marqué, hein, donc il n'y a vraiment pas de, de conséquences. Voilà, c'est bien. C'est poussé, ça fait de la place. Fais ta place encore. Allez. Voilà, c'est encore retour à Philippe Duchesne. Ah, c'est un beau carreau, c'est magnifique. Bien. Magnifique carreau là. Bien tiré, Philippe. Voilà, du coup, ça va obliger Simon Cortés à aller pointer. Voilà, c'est repris.
Voilà, si Frédéric Haas venait à imiter son aîné, je pense que il serait sur une belle mène. Voilà, qui se double lui aussi. Oui. Et ben voilà, tu l'avais demandé. C'est fait. C'est doublé. Voilà, il a cadré en plus, donc du coup on se retrouve avec 3 points au sol. Alors une question intéressante de nos téléspectateurs via notre web TV, c'est le verbe scorer. Scorer, non, mais même moi, je suis novice. Scorer, on dit score, est-ce que ça existe? Et moi, ça m'intéresse. Scorer, est-ce que c'est bon? Moi, personnellement, je ne le dis pas, mais... Mais Jean-Michel Santiago est en train, à l'instant, de vérifier... C'est un anglicisme. Je ne sais pas si c'est un anglicisme ou pas, mais intéressant de dire, est-ce que scorer, voilà. C'est ça c'est un anglicisme. Donc ça marche. Marquer un but au hockey, au foot, etc., par extension, totaliser des points. Voilà. Voilà. Donc, nous avons donc le droit de le dire. Nous avons le droit de le dire, effectivement. Alors, que nous ayons le droit de le dire, nos problèmes, un anglicisme, comme tu viens de le dire. Mais on est en France. Voilà, moi je suis pas. C'est mais on un... le dit pas, hein, on le dit pas. Hein. Oui, ouais, oui, 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 Jean-Michel le dit, mais. Oui, mais... Scorer, ça veut dire rajouter un point au score, c'est-à-dire oui. Marquer. Marquer, tout à fait, c'est voilà. Ça. C'est donc, ça. Voilà, donc, voilà, je pense qu'on va rester sur le verbe marquer pour l'avenir, même si oh scorer là, 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 là. Est autorisé. Mais merci, voilà. Monsieur. Allez. C'est intéressant. Et là, c'est pas un débat. Et... Léo aussi, excusez-moi. Là, c'est pardon. Pas un débat. C'est Sébastien Brunel qui a tiré sa boule. Hein. Oui, bah là, il n'était pas droit du tout. Et donc, ça ouvre une belle fenêtre pour rajouter le deuxième voilà. Pour Gino. En parlant de scorer, j'ai raté l'action. Désolé. Voilà. C'est quand on s'éparpille. Non, c'est intéressant. Quand même, on dit scorer ou pas. Allez, boule de plus 2 pour Gino Delis. Ah oui, il n'a pas. Et c'est fait. C'est fait. Ouais, c'est fait. Il n'a pas raté l'occasion. Et voilà la mi-partie qui va être atteinte par les maillots noirs pour mener 7 à 3. Jolie partie, non? Qu'en pensez-vous? C'est une très très belle partie. C'est serré. Ça se joue vraiment sur. Ouais, pas grand-chose. Sur une boule à chaque fois. C'est une boule de déchets. Et voilà, donc du coup, ça fait. Ça penche tout de suite sur l'équipe adverse. Et ouais, 7 à 3, petit break là, fait par les maillots noirs, Cortez, Delis, Baquin, dans ce huitième de finale. On fait un petit coucou à Alain Viala, le grand Carmozin qui nous manque beaucoup. Carmo, effectivement. Voilà. Donc j'entends de plus Pascal me dire je pars en week-end. Eh oui. Oh merde. Oh comment on dit Allez, on va pas partir là-dessus parce que sinon en a pour trop longtemps. On reste dans la partie. Je pars samedi dimanche. Oui. Et oui, parce qu'effectivement. En congé de fin de semaine. Mais moi j'aime pas le mot scorer. Voilà. Très bien Pascal. Ok. Donc c'est un très bel appoint, Christophe Baquin qui est revenu tout de suite, hein. Une petite erreur tout à l'heure. Oui. Voilà, il est revenu tout de suite, il a su se remobiliser. Allez. Allez, c'est bien frappé, bravo. Encore dans son match, regardez le ralenti. Ben Philippe, pour l'instant, chez les deux, je pense que c'est celui qui est vraiment le plus constant. Oui, tout à fait. Mais il est tout le temps, monsieur Duchesne. Allez, on va peut-être enlever le ralenti, Pascal. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, même si le tir était magnifique. Hein. Oui. Mais vraiment, Vincent, on le voit depuis sur toutes les étapes. Et ce monsieur Duchesne de la boule au but, voilà, est toujours présent et efficace. Top.
C'est bien. Et ben voilà, il le prouve encore. Et il tire très fort. Et celui-là, il est pas mal non plus. Ouais. Regardez ça. C'est net. C'est des super inox, ça, je suppose. C'est de la super inox au but, ouais, peut-être. Et la dureté, c'est la même, c'est pareil que super inox, pareil. Et on en parlait tout à l'heure, Vincent, d'ailleurs, des boules. En se disant, oui, là, on vient d'entendre la super, la dure, la. Avec toutes les boules que Obut propose. Obut et les autres fabricants. Et bien sûr, fabricants, non. C'est Obut, il n'y en a pas d'autres, pour moi. Okay. Voilà. c'est pas vrai, Pascal, donc on peut pas. Non, mais pour moi, ben, oui, mais pour moi j'en ai qu'un qui existe, c'est Obut. Voilà. Oui, mais c'est quand on revient. Alors... À la technique de fabrication, effectivement, il y a des aciers différents, il y a des inox différents. Voilà. Et après, vraiment, pour ceux qui nous écoutent... En fonction du traitement, on va avoir des duretés différentes. Non, mais je vais revenir parce que vous me cherchez là. Mais Saint-Bonnet-le-Château, c'est à côté de Saint-Étienne. Et j'ai eu l'occasion, le privilège, et j'ai été reçu... nous avons été reçus, je parle de PPF, vraiment magnifiquement. Et c'est une découverte. Vous voyez comment les boules sont coupées certaines, d'autres elles sont fondues. Il y a de l'emboutissage. Voilà. C'est un vrai plaisir de voir comment étaient fabriquées ces boules. En plus avec une famille qui existe dans le monde de la pétanque depuis très longtemps. Et vous apprenez l'histoire, voilà. Oui. La maison au but fabriquait des vélos, c'est ce que j'ai appris avant-guerre. Et ensuite, voilà, et le papa, le grand-papa, et maintenant, le fils, le petit fils. Et c'est une maison de famille, et on leur tire notre chapeau. Ils ne sont pas les numéros un pour rien. Et bravo à eux. Vous pouvez visiter. Voilà, ça se complique. Alors, ils ont... Alors c'est une tactique de jeu qu'ils ont décidé de faire. Oui, mais ça marche pas. Ouais, ça marche le début. Pas. Deux, trois mêmes. Je vois que mes deux. C'est Brassier Brunel. Me coupe lui, un peu, mais voilà. Je reviens là-dessus. Vous pouvez visiter Saint-Bonnet-le-Château, la fabrication des boules au but. Vous voyez de A à Z leur fabrication, qu'elle soit moderne ou ancienne. Et c'est un vrai spectacle et c'est une vraie maison française, auquel je suis. Très attaché, j'espère que d'ailleurs vous l'êtes aussi. Voilà. Maintenant, revenons à la partie. Excusez-moi, messieurs. Merci Pascal pour ce cours, cette présentation détaillée. Mais pendant ce temps, Sébastien Brunel, il a été en difficulté. Ouais. Hein. Il avait tiré sa boule à la première, la deuxième, il l'a manqué. Et là, il y a Caz qui récupère un petit peu tout ça. Hein. Oui, grâce à ce carreau, là, on le voit, il récupère un peu la même. Voilà, ils avaient bien de l'avance et ils voulaient encore essayer de faire. Ils voulaient essayer de faire la grosse main là pour vraiment revenir tout de suite au score. Malheureusement, ça ne fonctionne toujours pas. Oh là là là, il est passé derrière. Elle était vraiment bien jouée sa boule à Dino parce qu'on l'a vu arriver. Il a failli faire ce devant de boule au dernier moment. Sa boule a tourné. Allez. Allez, gagne maintenant. Allez, bien joué ta boule. Hein. Il a repris, j'ai pas l'impression. Voilà, mais il a bien joué Dino Delis puisqu'il est venu un peu contrarier les projets de Frédéric Caz. Je vais mettre le second.
Mais si, il faut se défoncer. Il faut se tourner un peu là. Je suis carreau. Heureusement qu'on a un sourire, mais bon, effectivement, il serait bienvenu pour Frédéric Casse de venir ajouter ce deuxième point. Ça les ferait revenir à deux points de leur adversaire. Voilà, c'est fait. Bravo, oh, c'est bravo. Ouais, il y avait un très, petit très belle mouchoir main, et ouais, vraiment, il a réussi à le glisser. Une très belle main de la part de Philippe Duchesne et de Frédéric Casse. Ouais, qui ont bien récupéré un petit peu les deux loupés de Sébastien Chenel. Voilà, pourtant, voilà, il faudrait peut-être qu'ils viennent alors le remotiver. Il faut lui parler. Voilà, c'est ce que fait Philippe tout de suite. Voyez Philippe Duchesne, voilà, il est venu chercher Sébastien. Il vient lui parler, il vient le remotiver. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Là. Ouais, très ouais, important. Très important d'avoir l'air. Voilà, c'est vraiment le partenaire parfait. Voilà, ce que vient de faire Philippe Duchesne, c'est ce qu'on doit retrouver voilà, chez, dans toutes les équipes. Ouais, ça va bien, pas. Allez, mon cerf. Alors, on va voir si ça va porter ses fruits. Oui, tous ces encouragements. Oui, ces encouragements, voilà. C'est. Voilà, c'est bien. Voilà, il revient tout de suite parce qu'il est, dans le doute là, Sébastien Brunel. Oui, bah c'est. Donc il faut pas rester, comme ça, donc ça. Voilà, c'est pour ça que la pétanque aussi, c'est de la psychologie. Jean-Michel, tu viens de dire, c'est de la psychologie. Quand on entend encore la pétanque, c'est pas un sport. Y compris dans le journal L'Équipe et dans la chaîne L'Équipe, il n'y a pas eu un mot sur la pétanque. Des championnats du monde, on ne parle pas d'Ajaccio ni de PPF, on parle des championnats du monde. Il n'y a pas eu une ligne sur les championnats du monde de pétanque, quels que soient les gagnants. La discipline est ignorée, voilà. On se bat, mais voilà. Le journal L'Équipe n'a pas mis une ligne sur la pétanque mondiale, voilà. Voilà, ça m'attriste. Alors qu'ils l'ont diffusé à la télé, ils en ont même mis un peu trop à un moment. Ils ont peut-être un peu lassé les téléspectateurs parce qu'ils en mettaient du matin au soir. Et d'un coup, plus de pétanque, ok, allez, mon fusil. C'est leur choix. Allez. Et pas un mot dans le journal. Pas un mot sur les championnats du monde. Je trouve ça scandaleux. Voilà. Voilà, il faut de temps en temps que j'ouvre un peu ma gueule, mais je le fais avec cœur et avec. Avec ce que j'aime. Et voilà. Et voilà, regardons Philippe Duchesne. Oui, c'est mieux. Oui, non, c'est pas mieux, c'est différent. Et eux, ce sont des. C'est pas des sportifs, ça. Allez. Ce sont des sportifs, et compétiteurs. Alors, c'est pas des sportifs, la pétanque. Oh, tout à fait. Il faut avoir de la psychologie, il faut être, très bon. Ouais, non, moi, je tire au revolver à 4 mètres et je suis au JO, moi. J'y vois même pas la cible. Allez. Bon, on continue, excusez-moi. Alors, voilà. Simon Cortez, il fait une très très belle partie. Hein. Allez Philippe Duchesne pour continuer son entreprise de démolition qui réussit très bien depuis le début. Oh là là, quelle frappe encore. Très bien tiré encore. Ah oui, vraiment.
très très grosse partie de Philippe Duchin pour l'instant. Oh, ouais, c'est lui, c'est lui qui tient cette équipe. Hein. Ouais, il tient la baraque chez les Bleus, mais bien que Frédéric Caz aussi, lui, il joue bien ses boules. Mais c'est vraiment le moteur, c'est la locomotive, hein, Philippe Duchin. Il en faut toujours une, et en face, ben, on a vu, c'est Simon Cortès. Voilà, on le voit, Simon, c'est encore lui qui fait le job. Ouais, il y a toujours une locomotive dans une équipe, dans une triplette. Mmh. Il faut un meneur. Oh là 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 là. Et vous voyez, voilà, juste celui-là, tout à l'heure. Le remontrer parce qu'il est magnifique. Ouais, tu le disais, lui aussi. Hein, il est dans sa partie. Ouais. Hein. Voilà, il est dans sa partie très efficace. Voilà. Il a rattrapé pas mal de mains. Là, ils viennent de mettre un peu un échec. Là. L'équipe adverse, ça va forcer Dino Delis vraiment à deux. À, voilà. Allez, force toi. À venir gagner le point, il faut éviter la boule de devant. Ouais, magnifiquement fié. Voilà, dès sa première boule. Je vous ai l'arbitre. Bien, Jim. Voilà, ce coup-ci, on laisse tirer Frédéric. Hein. On prend pas le risque encore. Donc on laisse tirer Frédéric Caz et on laissera la dernière boule à Sébastien Brunel. Voilà, il se reprend Frédéric parce que ça bouge un peu partout. Oh là là, magnifique. Deux carreaux magnifiques dans cette main, deuxième ralenti. C'est vraiment magnifique ce qu'il fait là, voilà, entre la main de tout à l'heure, la main précédente et celle-ci. Là, vraiment, c'est un volume de jeu impressionnant de la part de Frédéric Caz. Et là, Dino Delis, ben, il a une boule vraiment très très importante à jouer. Voilà, il va falloir qu'il rentre, s'il peut se coller sur cette boule. Ouais, il faut qu'il fasse quelque chose, hein, parce que là, forcément... Ouais, parce que ça laisse une très très belle opportunité après pour Sébastien Brunel. Voilà, c'est très très bien joué de la part de Dino. Ah, oui, mais je crois qu'il en a laissé deux. Hein. J'ai l'impression qu'il en a laissé deux. Il est passé au jeu, mais il en a laissé deux. Mm. Voilà, mais on va tirer quand même, puisque... Il y en a déjà deux, c'est bien. Ah oui, on tire pour un de plus. Ouais, j'ai presque... J'ai bien l'impression qu'on tire pour deux de plus. Ah oui, c'est possible. Ah, il était pas loin, mais malheureusement. Malheureusement, ça change pas. Ah mais je crois qu'il y en a qu'un, hein, même s'il a touché, il n'y en avait qu'un. Hein? Non, Philippe? Oui, oui. Il y en a deux, non? Non, je pense qu'il n'y en a qu'un. Peut-être avant, mais là, il a touché, mais. Je pense qu'il y a... Voyons, Philippe. Ça veut dire qu'il y avait même tiré peut-être que pour faire rentrer le deuxième. Alors, je crois pas que c'est ce qu'ils avaient calculé, mais. Attends, ça tire à côté. Ouais, on va vérifier. Il y en a un minimum, hein, forcément. Oui, celui-là, il y est. Et c'était on va le carreau. Le deuxième. Tu me dis quand tu y es. Attends, vas-y. 49 à l'entrée. Vas-y. On va là-bas. Ouais, et là deux. Voilà, c'est deux points. Allez, ben, c'est deux points qui nous amènent à une égalité. 7 partout dans ce voilà, 8e de finale. Rien n'est fait. À l'entame de la 9e main, 1h10 de jeu, on vous l'avait dit qu'on était sur une partie voilà, très serrée, très acharnée, ça joue très bien et on voit du beau jeu. Ah bon, on voit du très beau jeu et belle confrontation, moi je me régale, j'essaie de faire au mieux pour vous proposer les meilleures images, mais c'est pas du sport la pétanque, sans déconner. Voilà, vous entendez Félix qui dit on en a tiré 4 à la perfection. Oui. Effectivement, ils ont super bien tiré, c'est ce qui a fait la différence. Allez, mon step.
tu veux plus tomber dessus, c'est moi. Bon, du coup. Bah oui. Ils ont fait 4 marches arrière, oui. Fais-moi. Ils ont fait 10. Allez, Sébastien Brunel. Pour, pardon, pour bien entamer cette 9e main. Yeah, c'est bon. Ah, c'est parfait, voilà, ça c'est va bien. Lui faire du bien pour sa confiance. Oui, oui. Allez, vieux. C'est déjà bien, on est 7-7. Quoi ? On est pas mort. Yeah, c'est court. 7-7. Ça c'est court pour Dino. Allez, Dino, va doucement. Hein? Ah, Dino, allez, pousse toi. Change. Toi, du mètre. On n'a pas mis assez de gravier devant. On confuse. Ah là 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 là. Attention, attention. Manqué presque double hein, pour Dino. Il a juste fait un peu de place là pour celle-là. Ouais, c'est ce qu'on disait. Un peu au travers des parties. Quand on a du rythme, quand on est tireur, on reste dans le rythme. Ouais. Là, on a vu que Dino a dû pointer. Donc les deux, trois dernières mains, du coup, ben, quand il faut tirer, une fois qu'on a pointé pendant un moment, c'est encore plus compliqué. C'est une belle reprise. Allez, mon fifi. Ouais, c'est allez, une belle reprise, mais déjà trois boules hein, de jouer. Ah, mais ouais. Bah, on va voir si. Si ça se confirme ce que j'étais en train de dire, mais voilà Philippe Duchien qui a tiré 6 boules. Voilà. Là il va tirer la 7e. Voilà. Bravo Philippe. Voilà. Bien. La différence entre un tireur qui tire une boule de temps en temps et un tireur qui ne fait que tirer, il est dans le rythme. Voilà, c'est ce que voilà, l'équipe de Simon Cortés devrait faire, essayer de tirer plus souvent. Jean-Michel, oui. On en a parlé tout à l'heure d'être dans le rythme. Oui. Oui, d'être dans le rythme, évidemment, quelqu'un qui fait que tirer, qui passe au point, évidemment, ça le change. Faire un peu de place encore. Je ne suis pas tout à fait convaincu avec toi d'être dans le rythme. Et on en a parlé aussi au niveau des boules, ensemble, en se disant, tiens, c'est vrai que les joueurs sont attachés au poids de leur boule, 6,80, 6,90, 700, diamètre, 72, ok. Et on en parlait avec Vincent d'ailleurs, il y a des joueurs, okay. Tu leur mets n'importe quelle boule dans les mains, n'importe laquelle, le diamètre, le poids, et ils font des carreaux. Oui, mais voilà. C'est pas la question du rythme. Ouais, c'est pas la question du rythme. C'est une question différente. Oui, c'est le rythme oui, oui, et le matériel. Oui, j'entends. Ça, tu dis ça parce qu'hier, vous m'avez donné 5 boules différentes que j'ai réussi à vous battre. Oui. Non. Bon, mais moi, je suis un extraterrestre, je peux. Je crois que quand même, alors, Jean-Mi a une petite vraiment expérience dans le domaine. Dans je pense qu'il sait de quoi il parle, hein, pour le rythme. Après avoir coaché beaucoup de jeunes, notamment. Non, j'avoue, malheureusement, on n'a pas le temps de faire une partie de boulon. Quand on a fini, c'est trop tard, il fait nuit. Mais si vous saviez, on adore ça. Et entre nous, ne serait-ce que pour un café, voilà. Si on est là... Sébastien Brunel, il a vraiment du mal au tir. Oui. Voilà, il est droit, mais il est toujours court. C'est ça. À vous montrer ces images, c'est quand voilà, on adore jouer, même si on est en ce qui me concerne, loin du niveau de mes co-commentateurs. Santiago est au point, il est énorme. Alors, bon. Merci Pascal. Et Vincent, il peut être les deux. Voilà, donc c'est pas mal tout ça. Hein. Et puis, sans oublier Fabien Sgarra, il joue vachement bien au bout. Vachement mal, oui. Ça, c'est sûr. Non, mais ça on peut le dire, Fabien Sgarra. Mais c'est de l'humour. C'est de l'humour. Quand je dis que c'est pas tiens, bien. Il y a Romain Zapla qui dit que Pascal manquait aussi de rythme quand il jouait à Espalion. Bon, je sais pas ce qu'il veut dire. Oui. Donc là, on a pris le temps. Alors là, ouais. je reviens sur la partie. Voilà. Oui, il faut. Voilà, on a pris le temps parce que c'est vraiment. On va agrandir l'image, Pascal, s'il te plaît.
Oui, voilà. Oui, je vous en prie. Vous voyez. Ne nous égarons pas, mais voilà. Fabricas qui va être obligé presque de faire carreau. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Il l'avait tenté, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Pour essayer de retourner la main, finalement, voilà, on va se retrouver. Cette casquette. Alors, bien sûr, il fait jouer. Hein. Ouais, ça fait jouer, mais bon, on va essayer de détruire pour essayer de. In fine, essayer de perdre un seul point. Et pourquoi pas faire carreau pour essayer de récupérer la main. Pardon. Ouh. Voilà, Simon qui était perdu. Un peu lent. Ouais, mais. Voilà, il avait perdu. Ouais, qu'il avait perdu, a priori. Allez, c'est gagné. Hein. Ce sera encore une main. Avec un petit score normalement. Voilà. Et là, on va. Voilà, en tapant, on en perd un. En faisant carreau, on peut essayer de marquer. Oui. Donc, on va prendre on prend le risque. Et ben voilà, on a fait un petit palais. Voilà. Ah, oui, il a tiré. Et oui, mais il laisse quand même un peu de place pour Simon Cortés pour marquer le 8e point de son équipe. Voilà, il va essayer de reprendre l'avantage pour son équipe. Fais-nous marquer, Simon. Vincent, Jean-Michel, vous venez peut-être d'entendre. J'allais le dire, Pascal. Hein, ouais. Il y a déjà deux équipes qualifiées pour les 8e de finale. Et l'équipe de Dylan Rocher, Henri Lacroix et Philippe Pietri qui viennent ils sont là, de batailler. Ils ont gagné 13-12, mais oui. Ils se qualifient. 13-12. Ils ont bataillé vraiment. Vous me rappelez contre qui je désolé. On va quand même Johan Ferroloni. Voilà, de la fin de main, parce que Simon Cortés, vous l'avez vu, a loupé sa boule. Oui, pardon. Et a laissé deux points. Voilà, c'est parce qu'on entend Laurent Coss. Oui, mais on peut pas tout faire en même temps. On va faire dans l'ordre. Oui, j'entends. Allez, donc Dylan Rocher, oui, c'était face à Johan Firoloni, Laurent Nguyen Van et Christian Bandikian. Voilà. Ok, merci. 13-12. Merci, et puis, Vincent. L'autre équipe qualifiée, c'est l'équipe de Jesse Feltin, Noël Muratti et Jean-Pierre D'Angelo. Voilà, donc deux équipes qualifiées pour les quarts pour l'instant qui démarreront, je vous rappelle, demain matin à 10h en direct, bien sûr, sur la Web TV, le PPF. Les Feltin. Oui, Feltin Darod, ça avance. Hein. Ouais, bravo, merci. Bravo. Allez, et bravo, évidemment, Dylan, Henri et Pietri pour leur qualification. Oui, vainqueur en 2021, il y a deux ans ici. Bah, ça me fait plaisir. Hein. Évidemment, ils sont du FIP. J'en ai été l'heureux président. Allez, 9 à 7 hein, dans ce 8e. Rien n'est fait. Ils vont mettre les vestes, on est foutu. Allez. Tu mets pas comme ça. Après, on va devoir mettre les vestes, nous. Philippe, tu tires bien sans la veste. Si on met les vestes, nous, je peux plus jouer. Voilà, Philippe Duchesne qui a un peu froid. Hein, Eh oui, c'est un ancien, lui. Il avait. Voilà. Mais bon, je pense pas qu'il ait le temps de se refroidir, hein, parce que vraiment, Christophe Bacquin, lui. Frédéric Casse qui lui a dit tu tires bien sans la veste. Bien sans la veste. Il n'y a, ouais. A pas de raison de la mettre. Ça n'empêche pas de bien jouer. Ouais, là, c'est voilà. Il faut tout de suite se reconcentrer, là. Hein. Allez, fille. Eh oui, Jean-Michel, tu es bon dans la réflexion. La musique d'Agvec, d'ailleurs. Wow. Et, il était un peu fort, là. Hein. Il est un peu long. Il était bien droit, mais un peu long. Allez, s'il te plaît, maintenant, c'est pareil. Allez, mon fils. Ouais, il faut se reprendre tout de suite, là, pour Philippe Duchesne.
il prend le but, mais il sort pas. Et manqué double pour Philippe. Alors, il va vraiment manquer la deuxième, mais non. Il est un peu plus en difficulté là après son très très bon début de partie. Là, il avait un peu froid, Philippe. Du coup, il va mettre la veste. Ouais, alors par contre, il va y avoir un souci d'homogénéité. Hein. S'il met la veste, il faudra que les deux autres la mettent également. Ah là, oui. Là, je pense que monsieur l'arbitre. Tu crois qu'il va mettre une veste au but? C'est pas ça le problème. Pascal. Non, je sais, c'est de l'humour. Hein. On a bien compris. Homogène, c'est homogène. Non, non, surtout qu'il y a le patron qui est là, Pierre Souligné. Donc, oui, mais... On met le 9 à 7. Oui, effectivement. Philippe qui n'est pas content de lui. Il manque double. On ne revient pas sur les tenues. Est-ce que monsieur l'arbitre est en train d'en non. parler avec eux, je sais pas. Non, pour l'instant. Non, pour l'instant non, mais. Pour l'instant voilà. Non. Alors voilà, messieurs, hein, je vous laisse. Non, mais on va laisser. Je sais pas, je sais que dire. Est-ce que ils sont obligés de la. Je sais plus. Non, non, honnêtement. Non, ça sera à l'appréciation de monsieur l'arbitre. Donc pour l'instant, si l'arbitre ne dit rien. Oui, mais tu vois les choses, Jean-Michel, à l'appréciation de l'arbitre. Un arbitre aurait dit c'est pas bon, un autre. Moi, je veux la mienne. Ouais, mais il y a une arbitre. Je suis d'accord. Mais je... Oui. Bon, après, si l'arbitre ne dit rien... Oui, oui, mais mettez-vous les vestes. Moi, je crois. Voilà, on l'entend derrière. Mettez-vous les vestes ou pas. Mais il faut que les choses soient claires. C'est pas clair. Les choses ne sont pas... Si, c'est très clair. Il faut être homogène. Mais alors, si c'était clair, ils auraient dû la mettre déjà. C'est pas clair. Non, c'est pas interprété par les joueurs comme étant quelque chose de clair. C'est que c'est mal communiqué par la fédération. Je ne suis pas du tout d'accord, Pascal. Je suis désolé. Tu dis n'importe quoi, mais mal c'est appliqué, pas grave. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Pourquoi les joueurs se disent. Pascal, est-ce que je peux intervenir? Oui, je t'en prie. C'est exactement quand vous êtes sur la route. Ah, Gino, allez, voilà. Et que vous faites un excès de vitesse. Si personne ne vous attrape, ben vous ne serez jamais. Vous n'aurez jamais de PV. Non, je ne suis pas d'accord. Ben, si, il y a un règlement, mais si monsieur l'arbitre, pour l'instant, ne dit rien, ben, les joueurs vont rester comme ça. Alors, voilà. Si vous voyez les choses comme ça, messieurs, voyez-les comme vous voulez. Hein. C'est malheureusement, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais je sais pas, j'en sais rien. Allez, en tout cas, c'est manqué pour Gino. Pas de polémique, mais voilà. Gino, il est pas bien hein, depuis quelques semaines. Là, je vois, il est tout juste. Oui, voilà. Il n'y arrive pas trop. Il est juste pas droit. Hein. Et oui, mais. Voilà, c'est ça. Mais le juste fait la différence. Le juste fait la différence et il s'agace et je le comprends. Eh oui. Je comprends. Allez, bien. Allez, mon Gino. Voilà, il a raison, Gino. Il faut repartir tout de suite. Allez, Gino, allez. C'est pas après un petit échec, là. C'est un bon joueur, grand joueur. Allez, il faut qu'il se remotive. Effectivement, c'est un point qui est assez compliqué à gagner. Et alors, voilà. Bravo. Il va lui faire du bien. Voilà, on le voit, il se motive, Gino, c'est bien. Il n'a pas cadré, mais bon. Gino qui était finaliste il y a deux ans ici, avec Quentin Ziskowski et Antoine Sana. Je me souviens de ça. Ouais, en plus, tu vois pas bien là-bas sur le bord. Voilà, maintenant, il faut faire vraiment très attention de ne pas venir flirter avec la ligne. Ouais, il faut pas prendre trop de risques. Voilà, il a fait tout juste. Il a très très bien joué parce que ça penche un peu. On le voit pas bien, mais ça penche légèrement là. Et si on vient flirter avec la ligne, on a vite fait de sortir du cadre. C'est tapé. C'est bien. Oui, il fallait la prendre quand même. Oh, oui, parce que c'est un peu plus loin maintenant. On est aux alentours des 10 mètres. Voilà, il faut faire très attention maintenant pour Frédéric Haz. Moi, si j'étais à sa place, je prendrais vraiment pas le risque d'aller embouchonner. Il faut juste le gagner.
Allez, il faut qu'il joue comme la première, hein. Passer les boules. C'est ça, il faut passer les boules et rester. Voilà, il a joué du bon côté. Eh oui. Je pense qu'il m'a entendu, il m'a écouté. Il a pris un peu moins de risques, oui. Eh oui, effectivement, il fallait jouer de ce côté là, parce que si on prend le risque de sortir là, après on est. Alors il y a une, si vous me permettez, une chose que l'on ressent dans cette partie, c'est qu'il joue. Voilà, il joue. Et c'est pas de la gnognotte. Ils font leur maximum, ils veulent gagner. Ça se ressent. Voilà. Il n'y a pas de cadeau. On fait le max. Simon, c'est manqué. C'est manqué. Eh ben, ça va être un point supplémentaire, oui, pour les bleus. Ouais, ils sont passés à 10. Oui. Et 10 à 9. Non, à 7, Pascal. À 7, pardon, excusez-moi. Je pense que là, dans la tête à Simon, il doit se reprendre encore la main. Oui. Eh oui, c'était leur main de référence. Ils auraient pu faire un gros écart là maintenant. Et je pense qu'ils. Oui, mais la alors. C'était il y a longtemps quand c'était, même. Hein, c'était longtemps, mais bon. C'est dommage peut-être de le garder. C'est ça. Si oui, c'est non, ça. C'est pour ça. Oh, je pense, ouais. je pense qu'il a, il est encore en tête là, puisqu'il se dit. On n'a pas fait l'effort quand il fallait. Allez, continue. Allez, 17 pour Duchin Casse Brunel, qui était en difficulté un peu depuis le début et qui là ont pris le. Oui, ils ont réussi à gagner la tête. Sur 2-3 mains, oui. sur des voilà, ils ont réussi à scorer alors que ils n'avaient pas évidemment l'avantage de boule. Oui, ils ont marqué, Pascal. Jean-Michel, ah. Oh. Vous voyez ce qu'il y a de bien chez PPF. Voilà, on est comme on est, on vous donne les images les meilleures qu'on peut. On essaye de vous les commenter le mieux possible avec des professionnels, parce que ce sont des professionnels, pas moi, mais eux. Avec une passion, la même, la pétanque. Donc, on ne dira plus scorer, on dira marquer. Merci, Jean-Mimi. Je suis désolé. Hein, on revient à la France. Oui, mais week-end, sans déconner. Il faut que je trouve week-end. Week-end en français, c'est quoi? Fin de semaine. Moi qui suis fin de semaine, ça veut rien dire. Polyglotte. Ni détruire, ni scorer. Tout le reste est valable, Jean-Michel. Merci. Allez, Fifi. Allez, c'est bien repris pour. Ouais, c'est tout de suite repris pour Christophe Baquin. Christophe Baquin, oui. Et voilà, bah, Philippe Duchesne, il reste sur. Sur 3 échecs. 3, oui, 3 plus le même 1, oui, je crois. Donc, ça c'est. C'est le petit coup de froid de fin de soirée. C'est le coup de pompe. Ouais. Ah, il faut se forcer là, il faut repartir. Qu'est-ce qui va pas? Il a raison, Frédéric. Faut que tu t'énerves. Voilà, il a raison. Voilà, Philippe s'agace parce que voilà, il est un petit peu moins bien. Ah, il est moins efficace effectivement, et donc il s'agace un peu. Il faut rester dans la partie. Il a raison, Frédéric, de l'encourager, de lui dire tout va bien. Oui, il y a pas même de raison, 10 à 7, il voilà, n'y a pas. Voilà, il n'y a pas le feu au lac. Voilà, c'est poussé. Je sais bien, bon, c'est pas si nerveux. Allez, c'est pas en plus là. Tu veux une main là? Allez, toi, tu n'es plus. Souffle. On n'est pas trop bien, mais c'est sur la barre en plus. Ah, bien pointé deux fois, hein, Christophe Baquin. Alors là, vous voyez la boule à l'image. Hein. C'est compliqué. Voilà, Frédéric Caz a raison, il faut tirer parce qu'il faut détruire. Parce qu'en ayant passé la mi-partie à 7 points, là, on est sur la gagne.
Oh là là, super. Ouais. Quel carreau magnifique. Frédéric Haz, alors par contre là... Alors lui, il a un volume de jeu qui est impressionnant parce oui, que... Oui, oui, oui. Là, c'est carreau sur carreau. Allez, carreau allez, et il retourne à chaque fois à son avantage. Allez, on n'a pas trop de choix. Il faut déjà contre-attaquer, tirer sur celle-là. Ouais. Voilà, ça fera un peu de place. Oh, heureusement qu'il y a la boule, et encore je sais pas si ça suffit. Ah, il l'avait perdu, hein, sinon. Après, j'aurais peut-être tiré. Retiré encore une fois, ouais, ils avaient l'avantage. Mais ils avaient l'avantage, ouais, de boule. Ouais, sachant qu'en tapant, déjà tu n'es plus dans la. Tu allez, risques plus de perdre. Allez, puisqu'on joue 3 points en face. Ouais, c'est vrai. Elle n'était pas très très belle parce qu'elle était un peu derrière. Oui, mais je pense que ouais. Dino au moins ça l'aurait remis encore dans le rythme. Et ensuite, ben, on aurait laissé deux boules à Simon. Ça va. Alors c'est gagné hein, voilà, mais maintenant, Sébastien Brunel. Maintenant, ce qui va... Allez, regardez à l'image, quelqu'un d'important, monsieur avec la petite gilet bleu, Pierre Souvigné. Et ouais, le patron de la boule au but. Ah, c'est raté. Qui était déjà là à Lille Rousse la semaine dernière, qui est là de nouveau à Ajaccio, partenaire de PPF. Et un passionné de pétanque, on le voit aussi, regardez comme il regarde les parties. Voilà. C'est pas. Il n'y a pas que de la présence, c'est de l'intérêt. Dans notre sport. T'as le temps de tirer. Voilà, une famille. Vieille famille française. Alors là, il faut faire attention maintenant pour la. Voilà. Merci, monsieur Pierre Sauvigné. Ouais, c'est bien, c'est gagné pour Simon. Il en avait besoin puisque sa première était un peu compliquée. Il fallait surtout pas qu'il aille se coller à sa boule. Hein. Ah oui, oui. Donc il a très très bien joué puisqu'il a mis à l'écart. Allez, c'est Frédéric Haz qui va avoir la main de la boule de marque encore pour. Voilà, après essayer d'arracher la marque. Et oui, pour un petit peu augmenter l'écart entre les deux. Et oui, et il est peut-être cadré, il y en a peut-être deux. C'est ce que lui dit Philippe. Ah, on n'est pas d'accord. On peut être pas bien, on fait rien de bien. Non. Alors, on va peut-être enlever le ralenti, Pascal, s'il te plaît. Vas-y. Alors, voilà, on mesure le deuxième. Hein. Ouais, on mesure tout. Il fait ce qu'il veut. Il y en a deux. Oh là là, quelle importance pour ce Frédéric Haz depuis quelques semaines. Il est vraiment, vraiment très important. Excusez-moi si j'ai été distrait, mais monsieur Jean-Luc Reichmann m'a demandé du feu. Vraiment, j'ai fondu. Donc voilà, désolé pour. Caro, vous avez deux boules encore. Pour ma négligence. Allez, 12 à 7, attention, ils sont au pied du mur, hein, l'équipe Cortez d'Élite Baquin. Tout à fait, là, ils y sont au pied du mur. Ah il va falloir absolument élever le niveau de jeu, jouer un peu plus de boules. Oui, allez, prends pas la tête. Ah, ça me fait pas rire. Allez, oula. Allez. Pardon les gars. Voilà, il était un petit peu long. Oui, le bonus. Le bonus. Ouais. Ben, c'est souvent ça quand. Il y avait un mètre.
C'est souvent ça, quand on joue pas très bien, ben l'adversaire il a le petit coup de plus. Et ouais. Et là maintenant on a une bonne distance, hein, parce qu'avec ce bouchon qui a un petit peu bougé, qui était déjà... On se retrouve en zone. Ah, ouais, quel bal à point, super. Christophe Bakken qui reprend tout de suite face au but. Et là ça risque également de bouger, peut-être la boule, le bouchon. On a essayé de s'écarter un peu nous aussi pour pas le prendre. Ah, ça essaie de pas le prendre. Oui, c'est vrai que je suis plus en ligne que toi. Toi, tu es plus sur la ligne. C'est bon, elle est debout, la boule, quand même. Si tu gagnes devant, là-bas, je te laisse avec debout, là. Voilà, Philippe Duchin, il a clairement baissé de volume, hein, depuis quelques semaines. Ouais, c'est ça, il est beaucoup moins efficace. Ouais. Mais après, voilà. Heureusement qu'il y a Frédéric Haz qui suit un petit peu derrière. Ah oui, lui, il colmate toutes les brèches. Ouais. Il a plus de mal. Et là, il n'est pas aidé puisque le bouchon, il se retrouve maintenant à 10 mètres 50. Non, il n'est pas droit encore. Non. Il faut forcer. Il force, on le sent qu'il n'a il a pas le geste traditionnel. Mais il force, c'est loin. Ouais, je suis bien. De la mienne quand même. Oui, le but peut sortir encore, hein, donc ça vaut peut-être le coup. Oui, il faut tirer encore un coup. Je pense qu'il faut tirer une fois. Essayer de faire sortir le but. Il est bien, Frédéric, depuis tout à l'heure. Il est en pleine confiance. Voilà, il faut essayer d'annuler cette main. Il a fait le job, il aurait peut-être espéré mieux. Il aurait préféré que le bouchon bouge un peu, mais du coup c'est bien puisqu'il a sorti la boule. Il l'a pris un petit peu sur le côté, donc forcément elle pouvait pas sortir comme il faut. Allez Gino, fais la place là. Déjà ça empêche l'adversaire d'être dans la gagne. Allez, concentration de Gino. Oh, il a pris sur l'oreille. Ouais, il a pris vraiment sur la tête. Il était très, très très bien tiré ce bout là. Je pense qu'il voyait mieux. Voilà, mais il n'y a plus une seule boule au jeu. Donc qui a joué joue. C'est ça, tout est dehors. Tout est dehors. C'est pour ça que c'est Christophe Bakken qui va pointer. Bah, il l'a gagné, hein, forcément, mais c'est de gagner. Certes, mais il est un peu court. Court. Ah, il le dit lui-même. Allez, il suffit de juste passer la boule, pas prendre de risque, dépasser. Tout à fait, là, il faut surtout pas prendre le risque de vouloir embouchonner. Il faut juste le gagner, passer la boule, faire jouer l'adversaire. Tu es vite à la noyade, remarque. J'ai peur de me noyer, putain, c'est bien joué. Thank you.
Oh, il y a encore plus court, là, Sébastien Brunel. Ça, par contre, c'est très, très dommage. Oui, oui. C'est horrible, le dit Philippe Duchesne, effectivement. Bah, le premier qu'il constate, malheureusement, c'est le joueur qui l'a fait. Hein, tout à fait. Est, voilà, qui est le, lui-même désolé. Effectivement. J'arrive à le gagner. Mais si, là, voilà. C'est passé. Voilà, le problème maintenant, c'est qu'il a mis sa boule au milieu. Donc il va falloir que Frédéric joue sur la gauche de votre écran, vous voyez, en faisant un peu rentrer cette boule. Et voilà, il faut absolument qu'il continue avec son efficacité, son volume de jeu, Frédéric Caz. Voilà, voilà. Ah, c'est non, très bien, ça... voilà, il a très très bien. Très très bien joué, puisqu'il a un peu peur qu'il sorte. Et voilà, mais il a joué, il est vraiment en limite, c'est très bien, parce que là, du coup, ben, en tapant la boule, Dino a de grandes chances de sortir lui aussi du cadre, donc ça lui ferait économiser une boule. Allez, regardez cette boule complètement voilà, devant votre bord de ligne, juste pas droit. Oui, juste ça. Mais on ne peut pas lui en vouloir, elle est vraiment... Elle est à 11 mètres cette boule. Allez, bah c'est Simon Cortés, il a deux boules, il va falloir le faire. Alors Simon, lui, là, ça ne gêne pas hein, la distance, lui. C'est un géant. Il joue tout seul, lui, il n'a jamais marqué. Il joue tout seul, ça fait 3 mètres qu'il joue tout seul. Allez, cette boule en fond de cadre, ouais, 11 mètres, même un peu plus parce que la boule elle est derrière, donc c'est... C'est tapé. Allez, il a fait l'effort. Allez, Simon, c'est Cortés, c'est bien. Ça fait quelques semaines où ils étaient en difficulté. Et donc, voilà, du coup, ça va leur permettre de marquer un peu. Oui, de revenir un peu au score. Ouais. Allez, il a de la place hein, pour mettre le deuxième. Voilà Simon. Belle main, hein. Belle main pour Simon Cortés. Les deux milieux, vraiment, ils font. C'est un duel. En milieu interposé, on a Simon Cortés d'un côté, Frédéric Caz de l'autre. Voilà. Mais Simon Cortés, c'était encore pointé. Non, c'est de l'humour. Hein. J'aime beaucoup Simon. Hein. Voilà. Oh, Simon, c'est un très très grand joueur. Oui. Allez, superbe. Allez, 12-9. Regardez, on en est à bientôt 1h45. On est voilà. Bien. On est bien avec vous en direct sur la Web TV. Et à partir de maintenant, on a récupéré le but et on va jouer tactique. On va essayer de jouer pas loin de ligne de perte au cas où. Ouais, exact, donnée importante. Voilà, maintenant on va jouer vraiment très tactique, on va jouer vraiment près des lignes. T'as fait un petit massage, Jean-Louis ? Oui. Bon. Avec Philippe Duchesne, il est allé se consoler dans les bras de Jean-Luc Reichmann. Parce qu'il a un petit peu de. Mal. Oui, il a un coup de mou. Ouais, c'est. En fin de soirée, c'est compliqué. Hein, quand c'est on... ça. Ce sont des journées marathon. C'est... Ouais, mais... c'est la sixième ou septième partie. Hein, si on a fait le barrage le matin pour ces équipes. Allez, mon Seb. Allez. On se retrouve en fin de soirée. On est vraiment épuisé. Hein, c'est. Celle-là, elle est pas bien. Hein. Je cours, mais... On est là quand même. Avec la ficelle. Ouais. Il y a de la matière là-bas, je crois. Hein ? Ah ouais ? Ah, pas trop, hein. Allez, on va pointer. Il faut prendre un peu plus de risques pour Sébastien Brunel. Voilà, c'est bien fait. Bien, c'est fait. Allez, mon Gino. Voilà, on se retrouve dans un tour de 7 mètres. Ah, il avait vu le bouchon est sorti. Il a fait carreau. Eh oui. Mais bon, il fallait s'y attendre. Eh bien, on en reste donc à 12 à 9. Ouais, 12 à 9. 14e main dans ce 8e de finale à venir. Et je pense que Simon va encore envoyer le bouchon près des lignes. Ouais, regardez les visages des joueurs. Ils sont vraiment. Fatigués. Ils ont des visages fatigués, mais en même temps hyper concentrés sur
Ouais, ça fait plaisir. Là, c'est une place en quart. Hein. Ah ouais. C'est pas du chiquet. En quart de Regardez, finale. Je l'ai dit tout à l'heure, on le revoit encore maintenant. Et tout des monde signes a... vraiment de fatigue sur le visage, de tension. Et oui. Voilà. Très belle Magnifique point. Bravo. Place en quart, il fait un petit peu plus frais. Bon, c'est ça, voilà, tout se... Tout s'explique un petit peu. Ça va? Bon, je crois qu'on a Jean-Luc Reichmann du coup qui va peut-être nous commenter la fin de la partie. Non mais là c'est les nerfs qui gagnent, oui. Non ce oui. Qu'on disait, il y a bientôt 2 heures hein, de partie. Voilà, là il y a la fatigue, il y a les nerfs, les traits sont tirés, ça commence à être compliqué pour les organismes. Et ça, oh. Alors ça et ça c'est vraiment Gino. Alors. La personne qui garde ses nerfs jusqu'au bout, et c'est celui qui sera le plus calme, qui va l'emporter jusqu'au bout et qui va garder effectivement toute cette lucidité. Aïe 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 aïe, et ben ouais. Voilà. Voilà, tu l'as dit, voilà, il suffit de. Alors, malheureusement, c'était pas la bonne. Regardez le petit écart de Gino Delis. Alors, Jean-Luc, on a vu que tu as pris dans tes bras Philippe Duchin la main précédente. Ouais. Tu l'as réconforté. Ben, disons que d'habitude, c'est lui le coach. Alors, il a fallu quand même que les mouches changent d'âne et que je lui dis calme-toi. Parce qu'il était. Quand il commence à être un peu fatigué, et c'est. Et voilà le tir au bouchon, superbe. C'est effectivement. Ouais. Je vois ça fait du bien. Hein. Je vois qu'il y a déjà 2 morts dans le public, comme vous pouvez le voir. Il y a une personne très fort, qui vient de perdre un œil. C'est Marie-Thérèse qui est là, ouais, juste et qui vient de perdre un œil. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je dis, non, comme tu disais, je suis allé voir Philippe pour lui dire calme-toi, parce que je t'entends par rapport aux autres. Il s'agaçait, oui, il s'agaçait. Alors qu'il a raté 2 tirs, donc obligatoirement, ça voulait dire que lui aussi perdait ses nerfs. Je lui ai dit calme-toi, parce que j'ai eu la chance de faire un stage avec lui là-bas dans la Loire. Oui, Saint-Bonnet-le-Château. À Saint-Bonnet-le-Château. On a commencé à 9h du matin pour vous dire, et on a fini à 1h du matin. Ouais, c'est un bon stage. Et c'était un stage, j'aurais préféré stage macramé ou peinture sur soie ou jardinage. Et de 9h du matin à 1h du matin, on n'avait plus de bras. Et lui me dit, bah, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc je me suis permis d'aller lui taper sur l'épaule et sur la tête d'ailleurs. Et tu lui as rappelé exactement les mêmes paroles. Hein. Mais exactement. Et ça, c'est. Même là. Qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là? Je vais lui montrer mon truc. Oui. Ouais. Mais là, tu l'as gagné. Tu vois, c'est Caz qui. Qui reprend un petit peu le coaching, oui. Parce que en fait c'est lui qui a repris le lead, hein. c'était Philippe qui était la locomotive depuis le début, mais et c'est Frédéric qui a repris le lead là pour son équipe. Et là, par rapport à cette fraîcheur et à la jeunesse, tu vois que quelque part, et ben lui il est encore frais et que ça tire, comme tu le disais, sur les autres, ça commence à tirer sur le mental et sur le physique obligatoirement. Tout à fait, ouais. Ah oui, dès que le physique commence à flancher, le mental il prend un coup et il faut absolument se reprendre tout de suite. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment pour les enfants cette concentration et de tenir jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Mais je ne sais pas si tu as vu, vous aviez un œil sur la partie de Dylan. Eh oui, qui était quand même à. Oui, non, mais ils étaient à 12-9, 12-8 ou quelque chose comme ça. Et c'était la guerre des nerfs. Hein. Mmh. Et en face, ils ont craqué. Pourtant, ils étaient bons, les Corses. Hein, et ça s'est très bien passé. Hein. Ouais, c'est des parties compliquées. D'habitude, hein, ces huitièmes de finale, on les fait le lendemain matin. Hein. Et donc là, on a décidé de les faire ce soir. Donc ça fait une partie de plus à jouer le samedi. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Bravo, bien, donc, bien, bien. Surtout quand la partie, ben, vous voyez, dure 1h50 là maintenant. Mais tu sais, ces phases de poule, c'est quasiment les plus compliquées. Regarde ce qui se passe avec l'équipe de France de rugby. Si on passe en quart de finale, on a beaucoup de chances d'aller jusqu'au bout. Oui. Et c'est les phases de poule qui sont aussi compliquées. Parce que tu vas voir contre l'Afrique du Sud, je crois que c'est la finale avant la finale. Et c'est des moments qui sont difficiles. Hein.
c'est d'y arriver quoi, jusqu'au demi. Ah oui, il faut y arriver. Oui, c'est énormément de travail avant pour arriver jusque là. Et on a vu là que Philippe Duchesne, finalement, il a fait un beau palier. Oui. Ça a permis de faire avancer un peu son équipe et ça va obliger Gino Delis là à se forcer. Bien. Voilà, c'est tapé. Parce que là, il y a effectivement, à cette heure-ci, là, vu qu'on est en direct et qu'il est 23h20, ils ont la journée depuis 9h du matin c'est dans ça. Les pattes. Quoi. C'est leur sixième partie de la journée ou septième. Je n'ai pas vérifié s'ils ont fait la partie de barrage. J'aimerais bien que tu vérifies, s'il te plaît, merci. Je vais le faire, Jean-Luc. Oui, oui, pour toi, je vais le faire. À tes ordres. Et tu vois, ça, c'est le coaching de Jean-Luc Reichmann. Voilà. Eh ben, tu vois, en fait, c'est ça. Oui. Ne l'oubliez jamais. Quand on l'oublie pas, on l'oublie pas. Tu lui rediras, Duchesne, tu verras la Duchesne. Donc on lui dira. Je l'ai réénergisé un peu. En fait, c'est ça, c'est de la psychologie. En fait, quand on vient travailler le mental, ça agit sur le physique. Mais c'est des moments magiques pour lui, là. Je trouve ça génialissime de voir quand même que cette place du diamant vit encore à 23h20 et que. Il y a encore énormément de monde dans les gradins, je trouve ça merveilleux, c'est ce qu'on se disait. C'est, c'est vraiment, si tu veux, tous les gens sont venus au spectacle. Ce soir, tout le monde est sorti. Ouais. Et c'est vraiment agréable de voir. Et ce qu'il y a de vachement chouette, c'est que tu as des enfants qui sont là avec leurs grands-parents et qui partagent des moments. Et voilà, on tire le but parce qu'on était encore en difficulté. Oui, puis Jean-Luc, ce qu'on disait, c'est que l'avantage d'être comme ça en cœur de ville, c'est que. Ben, y a des estivants, il y a des gens qui sont pas forcément des fins connaisseurs, oui, voilà, mais qui viennent là et qui, ben, comme le disait Jean-Michel, sont au spectacle et ils restent jusqu'à ce soir. Il y a encore pas mal de monde dans les tribunes, donc on est ravis. Ils se rendent compte que c'est un vrai sport. Oui, c'est un vrai sport. Hein. Il te faut à la fois le physique pour tenir jusqu'à ces heures-là et puis il te faut une bonne dose de mental. Oui, il faut du mental et en fait il faut aussi des artistes. Voilà, les artistes, on les a, ce sont les six joueurs là qui sont là devant nous et qui nous permettent de vivre ces moments. C'est fou parce que ça fait quand même un bon moment qu'on est à 12-9 là. Hein. Oui, bah, ça fait trois mains annulées ouais, hein, c'est donc, ça, de suite. Ouais, ouais. Allez mon Fifi, allez encore, allez Fifi. Mais c'est ça tout l'art de la pétanque et de contenir... Et il y va encore, hein. De contenir ses nerfs. Voilà, c'est cadré. C'est cadré, oui, donc c'est bien joué. Oh là là, aïe. Ah ouais, c'est ça, c'est... Mais alors, ce terrain, je dois vous avouer que j'y ai joué hier. Ouais, ça, oui. Pas simple. Hein. T'as des moments, tu vois, t'as pour être le meilleur d'un seul coup. Ah mais il est piégeux, hein. Il y a vraiment, il faut faire attention. Faut le laisser jouer. Laissez jouer tranquille. En tous les cas, ça joue fort et ça fait grand, grand plaisir. Je vais aller recoacher Fifi Duchesne. Tu vas aller lui murmurer à l'oreille. Allez, c'est gagné. Il y a encore quand même un peu de place. Donc, je crois que c'est peut-être le mieux qu'il pouvait faire, là, Sébastien Brunel. De mettre une boule qui est mais pas ouais, très appétissante à tirer, elle n'est pas appétissante à tirer, voilà, donc du coup... Et comme tu dis, il y a de la place et là ils sont vraiment emmerdés parce que... C'est ça, on se pose la question. Qu'est-ce qu'on fait, effectivement. Parce que là c'est la stratégie qui va l'emporter, de se dire combien il reste de boules derrière et qu'est-ce qu'ils peuvent faire puisqu'il n'y a plus qu'un point à mettre en face. Tout à fait. Et bien on a décidé de tirer. Hein. Allez Gino. Allez Gino. Ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est un petit palais, ça lui fait du bien, Gino. Il est bien revenu là depuis tout à l'heure, il est bien. Ouais, je peux pas là. Bon. Allez Seb, ça doit le gagner. Allez.
Bon moment, hein. Allez, il faut que Sébastien Brunel, alors je ne sais pas s'il va remettre un petit peu la boule un petit peu comme tout à l'heure ou s'il va... Non, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux, oui. Par contre, il finit devant. Là on ne va pas hésiter tout de suite. Oui, mais est-ce qu'on va tirer la boule ou le bouchon directement ? Non, on va tirer la boule. Oui. Oui, je pense qu'il va tirer la boule. Voilà, s'il arrivait à faire carreau, effectivement. Allez, on dit non. Ça pourrait basculer dans l'autre sens. Allez. Ouais, en prenant en compte hein, que le bouchon peut éventuellement bouger également. Aïe aïe aïe. Bon bah là par contre. Je pense que c'est l'option qui est. Là, il n'y a plus trop le choix maintenant. Je n'avais pas pensé. Allez, il n'y a qu'une boule pour le sortir pour Simon Cortés pour rester dans cette partie. Sinon, allez Simon, ça en sera allez, certainement terminé. Ah oui, je pense qu'il y a de grandes chances. Maintenant ils sont en retard de boule. C'est en dos au mur, comme on dit. Allez, il n'y a pas beaucoup de chemin à lui faire faire. Hein. Il est plutôt en fond de 4, ce bouchon. Donc, allez, Simon. 1m50. 7 mètres. Il reprend 3 fois, là. Ah, super. Il a pris. Bravo. Il y a eu la mort de Jean-Michel Santiago. Il y a un super barré. Je me suis pris il y a au siècle dernier, quand je jouais encore au football. Là. C'est pour ça qu'on aime la pétanque aussi, hein. C'est vraiment... Oui, ce suspense. Ah oui, suspense. Bravo Simon, super. Pareil Simon, là. Même pareil là. Ah oui. Eh ben... Voilà, ben, c'est Simon qui s'en va. Le bon geste au bon moment, voilà. Oui. C'est ça la pétanque. Quatrième main annulée de suite. Bravo, superbe. Et donc toujours bah, 12 à 9. Hein, J'espère que vous avez, excusez-moi, mais si vous remerciez Jean-Luc Reichmann. Ben non, mais on va le faire. De son intervention. On a déjà remercié tout à l'heure. D'une manière vraiment. Il est génial, Jean-Luc. Naturel, sympathique. Ouais, c'est ça aussi, la pétanque, vous voyez. C'est beaucoup de choses. Voilà, on approche les 2 heures de jeu. Hein. Ah, on va y arriver, hein, certainement. D'aller aux toilettes. Allez, mon Vivi. Les commentaires des joueurs. Oui, effectivement, ça fait 2 heures qu'ils sont sur le terrain. Hein. Oui, ils ont commencé ce matin à 9h et ils n'ont pas eu beaucoup d'interruptions. Alors, très peu, comme nous. Je crois qu'ils sont sur la poule assez rapidement, il me semble les avoir vus. Donc, ils ont quand même eu un petit peu de temps entre la. Oui, pour ceux qui sont sortis rapidement. Oui. Mais il y en a d'autres, ils jouent. Mais en tout cas, depuis 14h30, c'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup eu de répit. Ouais. Et en plus, ils ont fini tard, hein, les 16e, l'équipe de Simon Cortés. Donc, ils ont pris 3/4 d'heure pour aller manger et ensuite, ils sont tout de suite revenus. On fait une belle partie, on voit l'intérêt. Ouais. Ah, il a fait un petit palais sur le côté, hein, Gino Delis. On le rappelle, dans cette zone, tu le disais Jean-Michel, il y a un petit peu plus de sable. Plus épais, là. Ouais, un petit peu plus de gravette, donc beaucoup de petits carreaux, de petits palais. C'est propice à faire un peu plus de carreaux. Donc c'est pour ça que Simon, vous voyez, pas très loin, on va essayer de faire une main d'attaque. Et au bord des terrains, la famille au but, qui évidemment encourage et regarde Luchin. Oh, très belle reprise. Hein. Voilà. Adieu. Le gars de la maison. Ah, Gino, faut se doubler. Attention au petit contre. Hein. Il est bien placé, ce boule. Ah, il a fait le carreau, bravo. Oui, il a contré, tu l'as dit, Vincent. Il n'y a pas de conséquences. Ça va, oui, pas grave, mais oui, il a contré. Il n'y a pas de conséquences, il a toujours 2 points au sol. Je pense que et c'est même mieux parce que ça oblige l'équipe adverse à aller pointer et pas contre-attaquer. Alors merci d'être aussi nombreux à cette heure tardive.
pour regarder le huitième de finale. Eh oui, oui. Le huitième de finale. Oui, mais huitième de finale acharné. Je pense que les gens veulent aussi savoir qui va sortir vainqueur. Ah ouais, tout le monde veut connaître l'épilogue de cette partie. Et ouais, ça y est, les deux heures sont dépassées. Hein. C'est quand même assez rare. Hein. Ah, c'est repris tout de suite. On le voit, ça joue. Ça joue et c'est superbe. Voilà, c'est comme ça qu'on aime la pétanque, nous. Très bien. Ah, Frédéric Caz qui continue. Hein. Vraiment, il a été impressionnant sur cette partie. Est-ce que Simon restera aussi sur le même rythme? Ah, il a fait fort, Simon. Toujours ce... Allez, Simon. Cette épée un petit peu au-dessus de leur tête. Hein. Ils sont à 9-12, donc... toute boule manquée, et bien ça devient compliqué. Bah, c'est il a fait l'effort, Simon. Voilà, on va. Alors la tactique chez les Bleus, c'est facile. Hein. Chez Philippe Duchesne, c'est on va essayer de les faire jouer jusqu'au bout et de laisser un manqué perdu à Christophe Baquet. Et ouais, je pense que la tactique. Se débarrasser du souci à la pointe. Ouais, c'est ça. Il va falloir essayer de gagner à chaque fois. Voilà, c'est repris tout de suite. Alors imaginez que. Allez, imaginez que Simon Cortés vienne faire carreau. Ça serait carreau gagné, manqué perdu pour Christophe Baquet le même d'après. Ça serait énorme. Ça serait énorme. S'il venait à cadrer. Là, c'est un scénario de film que tu as. Ah oui, non, mais t'es trop bon. Qui est tout à fait possible. Ah ben ça serait du Hitchcock, mais. C'est trop possible. Bon. S'il venait à cadrer. Oui, tout à fait, hein, mais c'est clair. Allez, cette boule donc est capitale. Dis-moi Jean-Michel, tu... Le but. Bouchon. Voilà. Il est sorti. Maintenant à refaire. Encore une. On recommence. Encore une. Je pense que... Hitchcock, dis-moi, dans ta jeunesse, Jean-Michel, tu jouais aux échecs? Oui. Ah, tu es un joueur d'échecs? Oui, aussi. Je polyglotte, joueur d'échecs. Je comprends un peu mieux. Ouais. On va en manquer des boules. Après, allez, pendant ce. Une période où je ne peux pas parler puisque j'étais secret défense. Donc là, oui. Sinon, je serais obligé de tous vous éliminer. Échecs et mat. Mais voilà. Non, pas d'entrée. Hein. Non, un petit point avant de rattaquer cette 18e main. C'est donc la 5e main consécutive d'annulation. Annulée, ouais. Quelques points, il y a 4 équipes qualifiées pour les quarts de finale demain matin. Donc on vous l'avait dit, Jesse Felton, Noël Mourati, Jean-Pierre D'Angelo et Dylan Rocher, Henri Lacroix, Philippe Pietri, ça c'est depuis tout à l'heure. Et viennent se rajouter Ludo Montoro, Jean-Michel Puccinelli et Eric Petitjean, ainsi que Patrick Laure, William Roger et Michael Feiertag. Voilà pour les 4 premières équipes qualifié pour demain, reprise à 10h, on vous le rappelle, pour les quarts de finale. Le tirage sera fait demain, hein. Pas de tirage ce soir, ce sera demain, juste avant le début de la partie. Oui, sa bataille est ferme aussi hein, sur les autres huitièmes de finale. Hein. C'est bien, c'est bien de faire le tirage le matin, voilà, qu'il n'y ait pas de réflexion tardive ni nocturne. C'est fait le matin, c'est très bien comme ça. Et nous serons, bien sûr, on vous le rappelle, en direct, nous, demain matin, à 10h, joli point pour ces quarts de finale. Romain Sébastien Monel, il a su se et remotiver. C'est cool, hein. C'est cool, Vincent. Allez, Gino, encore, c'est à 10h. On gagne une heure. C'est le décalage horaire. C'est le décalage horaire. Alors, il y aura les féminines qui auront commencé, elles, à 9h, hein, pour les quarts de finale. Pardon. Oh là là, super. Gino, on voit qu'il est bien revenu. Il est revenu dans sa partie. Gino, vraiment, il a eu un petit coup de mou. Là, il y a eu... un creux, mais là il est bien revenu dans sa partie. Allez, il est très concentré. Ouais, il est revenu à son niveau. C'est une très belle partie de pétanque. Ouais, s'ils s'en sortent, l'équipe de Simon Cortés, ils ont vraiment cette partie, je pense, en référence parce que. Pas de pronostic, mais quelle belle bagarre. Grosse difficulté, des mènes vraiment compliquées. Arriver à s'en sortir là, c'est. Ce serait une gageure, victoire. Mais bon. Hein, à 12, oui. Il y a une équipe en face. Hein. Ouais, c'est encore très très bien pointé. Bien. Très belle à pointe de Sébastien Brunel. Voilà, il peut être satisfait, lui, de sa main, Sébastien. Allez, celle-là encore vieux. Il aura fait jouer. On voit les Chauvins de la maison au but, au bord du terrain, qui encouragent leur poulain. Bien. Eh, Dino, bien. Ouais, Dino aussi, il a fait le job.
Ouais, Gino est monté un petit peu en... Mais il est revenu, il est revenu. Il est revenu à il est monté en efficacité tout au long de cette partie qui dure déjà depuis plus de 2 heures. Alors après, on le disait, les organismes sont fatigués, les joueurs sont fatigués, mais ils sont tous au niveau là. Ils sont bien revenus si tous au niveau depuis quelques semaines. Maintenant, on joue sur la tension nerveuse. Eh oui. Ça se sent. Ça se sent vraiment. Oh là là, alors ça c'est... Et ça fait pas que se sentir. Ça c'est mieux qu'un carreau, c'est superbe, le devant de boule. Magnifique. Et voilà. Pas le droit de regarder à lui. Hein Philippe. Notre caméraman sur le côté, là, le Père Noël, vous le voyez, là, c'est le cousin du Père Noël, Domé. Allez, moi, Simon. Voilà, il commence à un peu avoir mal au dos. Mais il est toujours là et il assurera les images jusqu'au bout. Évidemment. Allez, on va quand même tirer. Et bon, tout peut un peu se passer hein, avec cette situation. Ah, mais on tire le bouchon directement. C'est manqué. Effectivement, il a décidé de tirer au but parce que s'il avait contre-sec sur la boule, ça faisait l'effet marteau, il serait resté une seule boule pour le but. C'était la même chose. C'était pire. Voilà, c'était donc on a décidé de tirer les 2 boules au but. Allez, ben, il n'y a plus le choix, il faut le faire maintenant. Et là, par contre, il y a un peu plus de chemin que tout à l'heure à faire. Allez, faire on va laisser un gros plan. Important. Et il est touché, mais malheureusement, il sortira pas. Ça sera pas suffisant. Il a fait le point sien, mais ça sera pas suffisant. Est-ce que ça va être la dernière main de ce 8e de finale? Un, 3 boules à une. Ouais. Tu vois, ça risque d'être compliqué. Quand on parle de terrain cadré, aussi. Voilà, est-ce que Frédéric sera lui... sera le joueur qui aura fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à cette équipe de Simon Cortés. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, il continue. Ouf. Bon, qu'on va faire? Est-ce qu'on va tirer cette boule qu'on va pointer non, pour je pense essayer que Christophe de... va essayer d'embouchonner. Il va essayer d'embouchonner pour forcer Philippe Duchamp. C'est ça. Il va essayer d'embouchonner. Je pense que c'est sa seule moyen de survie, c'est d'embouchonner. Il faut déjà le gagner. Oui, c'est avant d'embouchonner, il faut le gagner. Il n'y a pas. Non, mais pour Jean-Michel, c'est facile. C'est facile. Il va te dire bon. Oui, c'est fait de l'embouchon. Devant de boule. Oui, non. Comme dit Vincent, il faut déjà le gagner. Et toi, tu parles d'embouchonner. Donc, gagner et embouchonner. Oui, c'est tout à fait faisable. Oui, c'est. Mais on est d'accord. Sa seule chance de survie, je veux dire ça. Voilà. Il a gagné. C'est ce qu'il a essayé. Il l'a gagné. Voilà. Il a gagné. Voilà, parce qu'on ne peut pas uniquement attendre. Une défaillance de l'adversaire, donc c'est pour ça. Allez, ben c'est tapé gagné pour Philippe Duchamp. Il a 2 boules pour le faire. Voilà. Et toute la communauté qui le surveille. Ouais. Il lui stresse au bord du terrain. Et qui l'encourage. Il pèse lourd ses boules. Oh là là, c'est manqué. Pardon. Ah, c'est pas grave. Bah, il est juste à côté. Il est juste pas loin. Voilà, il reste encore une chance. Allez, il voulait faire durer le suspense jusqu'au bout. Philippe Duchamp. Oui, c'est ça. Ouais. il aime ces moments-là. Je suis sûr qu'il va la taper maintenant. Ah, le but est parti. La conséquence, j'y ai pensé, je ne l'ai pas dit. Attention, parce qu'ils ont déjà un point. Mais pour nous. C'est quoi ce truc? Je crois, Philippe. C'est qui là-bas? Voilà, tout le monde cherche. Un petit peu tout mesuré, tout parce qu'on est loin. Toutes les boules sont loin. Mais qui est qui? Qui est où? Alors, voilà. La mesure. On va mesurer ce point. Ouh là là. Est-ce que oui, mais Et en plus, il n'y a plus de boules. Non. Ok. On verra. On est à la mesure. Ou la partie est finie, ou c'est 12-10, ou c'est terminé, mais on ne voit rien. Non, c'est 12-11. Eh bien, un point. Eh ben, ça fait un point. Incroyable. Quel scénario dans ce 16e. Je vous avais annoncé. 12-10. Je vous avais annoncé du Hitchcock. Hein. On n'est pas loin du Hitchcock. Oui. Il manque les oiseaux.
Oui, bon, ils vont pas tarder. Oh, les oiseaux, les mouettes sont les pas mouettes là. Vont arriver, les mouettes, ouais. Les mouettes sont là, sont juste oh, à côté, mais elles sont sur le port. Oh, quelle belle partie, quand même, vraiment. Formidable, formidable. Ah oui. Elle a crié, elle a trop crié, la dame. Ouais, je me doute, Philippe. Je me doute. Et l'état d'esprit des joueurs et regarder les visages. Doumé, si tu as une petite seconde de, voilà, de faire un tour des visages des joueurs. Et voilà, ils ne font pas semblant. Quoi. Voilà, c'est... Non, je pense pas. C'est... Là, on en est à un niveau, on est sur, dans le Money Time. Tout le monde veut revenir demain matin. Ouais, c'est ça. Et oui, là, on avec un bon état d'esprit, mais regardez, regardez Simon, regardez Délice derrière, regardez la concentration, l'envie qu'ils ont de gagner. Alors, voilà, et c'est pas du sport la pétanque. Le prochain qui me dit ça, je lui jette un caillou. Regardez les visages. Allez, Fifi. Superbe, magnifique. Et ce point. Il faudra pas regretter cette semaine. Eh oui. Ouais, là, c'est dur pour Philippe Duchesne de se retourner maintenant. Là. Ah, tout à fait. Ouais. Là, il faut vraiment qu'il oublie, qu'il se remette tout de suite, qu'il se remotive parce que voilà, cette boule est très importante aussi. Ah, je l'ai frappé. Il a cadré. Ouais. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Peut-être un peu en retard sur le ralenti ou. Ça, c'est voilà, bien. Je suis sur la fin. Désolé. C'est la marque des grands, ça, de pouvoir réagir tout de suite. Alors, on a deux nouvelles équipes qualifiées pour l'écart, équipe de Michel Loi, Philippe Ziegler et Yannick Faure, et l'étonnant du titre, l'équipe de José Mourati, Michel Atchadourian, Antoine Château-Cano. Quel beau parcours, quel beau plateau pardon, nous oui. aurons demain matin là en quart de finale. Hein, vraiment. Boutinelli, Montoro, Rocher, oui, Lacroix. Oui. Ça va être très très beau. Il y a du chaud demain. Des champions d'Europe vétérans, des champions d'Europe seniors avec Ludovic Montoro. Et avec ceux qui vont gagner évidemment cette partie aussi. Ouais, on va se régaler demain. On se régale tous les jours. Ah, c'est bon. Okay. Ouais, il l'a vu, je crois. Ouais. Il l'a vu. Elle est haute. Elle est haute. Bon, ben, je crois que le scénario, on le connaît. Voilà. Non. Il y en a qui ont essayé. C'est ça que. Alors, savoir qu'il a, il a qu'une seule. Il a qu'une seule occasion. Voilà, maintenant. Allez, Simon qui s'y colle. Une fois. Deux fois. Il n'est pas sorti. Alors, Doumé va nous le montrer. Il reste une boule encore. Regardez, on est passé le bouchon. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Quel scénario ? Qu'est-ce qu'on dit sur la boule du fond là ? Est-ce qu'elle était bonne ou pas ? Apparemment, oui. Oui. Donc il n'est pas sorti, mais il s'est fait le point hein, quand même. Eh bien Seb, si tu peux le gagner, ça va bien. C'est un scénario hein. original. J'ai marqué en plus. Allez, on le voit sur, sur cette simple caméra. Hein, pour l'instant, le but tout au fond là-bas. Il est allé se loger là-bas dans l'angle. Là, vous pouvez la... Oui, limite. Ah, il est vraiment complètement dans l'angle, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Là, tout en bas sur la droite de cette image. Ah, il faut le gagner pour Sébastien Brunel pour bloquer la main. C'est pour ça qu'il y a toujours cette concentration extrême. Oh, il est allé le gagner. Il est allé le gagner, alors vous ne le voyez pas malheureusement. Vous voyez, désolé. Devant de boule. On va vous faire un petit peu de radio avec Jean-Michel. On va faire de la radio, oui. Attendez. Et là, ça va être manqué perdu hein, pour Simon. Il faut le regagner. Hey Simon, t'es capable, allez.
à Simon Cortés sur ses épaules dans cette partie. Alors on le voit sur l'autre caméra, Pascal, tu peux le changer. Ouais. Allez, allez Simon. La concentration extrême. Ah là là, c'est manqué. C'est ouais. Manqué. L'autre caméra, Pascal, s'il te plaît. Allez, Gino, il faut le gagner. Merci. Voilà. Bon, alors on a tiré pour. Essayer d'annuler la main. C'est ça. Et maintenant, ben voilà, il ne reste plus qu'à Gino Delis d'essayer de gagner le point dans un premier temps. Oui, c'est manqué perdu. Hein, de tout. Et d'espérer. Ah, il est court. Il va être court. Ah, ben voilà, c'est l'épilogue dans cette partie qui aura duré donc 2h16 exactement, 19 mains. Vraiment que de